Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Merci pour nos invités. Oh, c'est quoi, oui. Merci. Bonsoir. Peut-on apprivoiser le sommeil? C'est le thème de notre discussion de ce soir, puisque c'est vrai que chacun a une relation assez intime avec le sommeil, presque aussi intime qu'avec la personne avec qui on partage sa vie, voire ses nuits. Il y a ceux qui n'arrivent pas à s'endormir, ceux qui se réveillent en pleine nuit, ceux qui passent leur temps à somnoler, ceux qui n'arrivent pas à se réveiller. Mais pire encore, pour un Français sur cinq, le sommeil est un véritable cauchemar. L'insomnie, la vraie insomnie, ce qu'on appelle aussi la parasomnie, on verra ce que c'est dans l'émission. L'hypersomnie, c'est un peu plus clair. C'est une véritable en fait plongée dans les mystères du sommeil que nous vous convions ce soir, où nous allons découvrir, j'espère, des formes souvent surprenantes que peuvent prendre les troubles du sommeil. Avec différents invités, avec Christian par exemple. Bonsoir Christian et bienvenue. On découvrira la narcolepsie, puisque vous êtes atteint de narcolepsie, une maladie du sommeil qui peut vous faire dormir à tout moment de la journée, oui. À tout moment de la nuit, oui. même debout. Oui, ça m'arrive. L'expression « dormir debout », donc c'était pour connais. Vous. C'était oui, pour vous, fait. D'accord. C'est-à-dire que même pendant l'émission... Mais j'espère que ça ne m'arrivera pas, c'est gênant, mais... il peut vous arriver de vous endormir. Oui, en plus, j'ai un peu sommeil. C'est vrai? Oui. Bon, eh bien, bonne chance. À vos côtés, Nathalie. Bonsoir, Nathalie, bonsoir. Accompagnée de son époux. Bonsoir à tous les deux. Nathalie, vous souffrez d'un autre trouble qui concerne presque 1 million de Français. Ça s'appelle le somnambulisme. C'est exact. Et pour nous, c'est un peu amusant. Pour monsieur, ça dépend des soirs, évidemment. Alors, avec votre mari Bertrand, on parlera de vos nuits agitées, puisqu'il vous arrive, il lui arrive fréquemment de se lever, si je suis bien renseigné. De faire des trucs, de bouger, de s'agiter oui. dans l'appartement. Sans arrêt. Et de parler. De parler, de bouger, de courir, de sauter, de tout. Non, mais... de courir, de faire des choses, tout ça. Ça, je les garderai pour moi. Mais en tout cas, de faire des révélations. C'est-à-dire que quand elle parle pendant son sommeil, elle dit toujours la vérité. Il paraît. Et vous, en profitez pour lui faire des petits interrogatoires. Tout à fait. D'accord. On verra ça tout à l'heure. À vos côtés, côté de Nathalie et Bertrand, ou plutôt derrière eux, Pascal et Sonia, nous parlerons d'une autre forme de somnambulisme moins connue, celle-ci, et qui fait franchement peur cette fois. Il s'agit du somnambulisme hétéro-agressif, sympathique, qui rend le dormeur violent envers toute personne qui s'interpose pendant ces crises. Alors, doit-on subir... ces troubles du sommeil, où peut-on les apprivoiser? C'est en fait la grande question de ce soir. Nous la poserons aux spécialistes qui nous rejoindront au cours de cette émission, ainsi qu'à Chantal. Chantal, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, qui, sur les conseils des médecins, a pris des somnifères pour dormir. Ça fait aujourd'hui 20 ans que vous dormez sous somnifères, alors que vous êtes une femme plutôt attirée vers les produits biologiques, vers les choses naturelles, et pourtant... C'est le paradoxe. Vous vivez avec de la chimie chaque soir. Je vous dis bonsoir, Chantal, et si je peux me permettre, un peu par avance, je vous souhaite bonne nuit. Alors, avant d'écouter tous ces invités qui ont plein de choses passionnantes à nous dire, avant de nous présenter les invités à qui nous avons consacré un reportage, je vous présente notre chroniqueuse de ce soir, celle qui aura la tâche de conclure l'émission tout à l'heure. C'est une aventurière, la seule femme française à avoir atteint le pôle sud en solitaire. Elle vient de sortir un bouquin aux éditions Plomb qui s'appelle « La femme de l'Antarctique ». Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, Laurence de la Ferrière qui est avec nous. Bonsoir, Laurence. Comment allez-vous? Combien de temps le pôle sud, vous êtes resté combien de temps pour atteindre le pôle sud en solitaire? Ça vous a pris combien de temps? J'ai mis 57 jours pour faire à peu près 1400 à 1500 km. Vous dormiez comment? Au début, je dormais pas très très bien parce qu'il fait 24 heures de jour sur 24. Donc ça éblouit un petit peu. Et puis quand j'ai trouvé mon équilibre, en fait, je dormais parfaitement bien. Bon, j'avais quelques moments, j'étais toujours un petit peu en alerte. Quand on est seul dans ce genre de situation, il y a des dangers permanents. Et ce qui fait que toutes les 2 heures, je me réveillais, mais histoire de voir si rien de c'est trop pas grave ne se passait. Un ours blanc qui était en train de vous taper sur l'épaule. Il n'y en a pas beaucoup en Antarctique. Non, plutôt si j'étais pas sûre. Ma langue a fourché. Ma langue a fourché, je voulais dire un lion. J'aurais bien aimé. Parce qu'il y a des moments où je me sentais un peu seule. Oui. Mais non, il n'y a pas de vie en Antarctique. C'est donc une émission sur les troubles du sommeil, sur les mystères du sommeil à laquelle nous vous avons conviés. Vous conclurez l'émission tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en attendez de cette émission, a priori, comme ça? Savoir si je suis normale. Ça veut dire quelque chose, normal? C'est comme raisonnable. Je sais pas, mais c'est toujours important de pouvoir se comparer aux autres et surtout par rapport à des expériences qui me semblent très intéressantes pour ce soir. Mmh.
C'est pas normal d'être normal, Laurence, hein, je vous le dis comme ça, c'est mon point de vue. Comme ce n'est pas raisonnable, trop raisonnable. D'accord, très bien. Je vais maintenant donc vous inviter à qui nous avons consacré des reportages. Commençons par un médecin, gastro-entérologue de formation, donc médecin spécialisé. Ça fait combien d'années d'études, ça? Il y a 10 ans d'études pour arriver à être gastro-entérologue. Et puis après, je me suis orienté vers la psychosomatique et la thérapie par hypnose, essentiellement. Voilà, ça. Donc je voulais évidemment faire un petit préambule pour dire que vous êtes un médecin avec une plaque dorée et un serment d'Hippocrate et un diplôme certifié. Vous êtes aussi hypnothérapeute, et c'est pour ça que je l'ai précisé avant, parce que parfois ça fait un peu peur. Et comme nous le verrons avec vous, l'hypnose est un des moyens qui existe, qui est assez reconnu maintenant, pour soigner les troubles du sommeil. Alors vous nous expliquerez au cours de cette émission dans quel état précis on se trouve en état d'hypnose et comment on peut ensuite apprendre soi-même à pratiquer l'auto-hypnose. Donc, à pratiquer l'auto-hypnose, exactement. Et pouvoir donc se remettre dans une situation qui nous permet de nous endormir seul par nous-mêmes quand on a des problèmes de sommeil. On regarde un extrait de ce reportage. Si j'arrive pas à dormir, ça sert à rien que j'insiste, quoi, parce que je reste dans mon lit, je me retourne, puis ça m'énerve. Là, je me lève, je regarde la télé ou la musique, je fais une réussite. Après, je me recouche au bout d'un moment. Et t'arrives à dormir après? Ça dépend les moments. Mon frère, en général, arrivé vers 3h du matin, 4h, après, bon, ça commence à venir quand même. Donc tu dors entre 4h et 9h du matin, quoi? Oui. Tu y crois à l'hypnose ou c'est juste un essai? C'est un essai, quoi, parce que j'ai entendu parler des gens qui disaient que ça marchait. On va y croire, oui et non. Vous en mettez-vous à l'aise. Alors vous allez pouvoir tout doucement revenir ici à votre rythme quand vous serez prêt. Voilà, petit mouvement tout à fait lent et bref, qui témoigne de la persistance encore de l'état hypnotique. Voilà, très très bien. Voilà. T'as dit ton... Oui, c'est normal. Ça va? Donc la suite tout à l'heure, on verra si ensuite ce jeune homme qui est avec nous ce soir a réussi à comprendre et maîtriser l'hypnose que vous lui avez inculquée et s'il a réussi ensuite à la pratiquer sur lui-même et à régler ses problèmes de sommeil. À vos côtés, Alban Lenoir, que je vous demande d'encourager. Alors Alban, c'est un tout jeune homme, vous avez 17 ans, c'est ça? Depuis tout petit, depuis quel âge vous avez un mauvais sommeil? Autant qu'il vous en souvienne. Provisoirement 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans, on va dire. Depuis l'âge de 5 ans, officiellement, d'accord. Terreur nocturne, donc des cris, etc., tout en restant endormi. Somnambulisme également. Insomnie notoire. Aujourd'hui, il ne faut pas vous endormir avant 4 ou 5 heures du matin et vous n'avez que 17 ans, ça pose des soucis. Pas pour vous, parce que vous vivez bien cette situation. Votre maman est un peu à cran. Un petit peu. Et l'école, n'en parlons plus. Exact. Très bien. Regardons un extrait de ce reportage. Enfin, je dis très bien sur l'école, faites ce que vous voulez. Je tombe de sommeil, qui est souvent approximativement entre 3 et 4 heures du matin chaque nuit. Tu t'es levé, c'est quelle heure, hein? Quand j'ai cours, 6h30. Donc là, c'est chaud à se réveiller. Puis bah, autrement, bah, en moyenne, quand je me lève vers 9h. Depuis tout petit, Alban souffre de troubles du sommeil. Il est aujourd'hui insomniaque et passe l'essentiel de ses nuits à regarder des films. Je vois pas ce qu'il y a du mal. Pour moi, c'est un gagne-temps. Bon, pour ma mère, ça lui pose souci. Pour... ça dépend. Il y a beaucoup d'avantages et il y a aussi beaucoup d'inconvénients pour les personnes qui m'entourent. Afin de comprendre son problème, Alban a accepté de passer une nuit dans un centre du sommeil. À ton avis, là il est 9h30. À ton avis, tu vas t'endormir à quelle heure? N'ayant pas la télé, étant sur un lit... 2h, approximativement. Du matin? Ouais. Ou peut-être plus. On verra à quelle heure vous êtes endormi, si ça vous permet de faire des progrès pour essayer de mieux maîtriser votre sommeil. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très motivé pour vous endormir avant 4h du matin. Il a très bien dit. Hein? Il a très bien dit qu'il avait des avantages à ne pas dormir. Ouais. Donc ça serait intéressant de les explorer. Entendu. Docteur, mettez-le sous hypnose pendant que je... Je souhaite maintenant Rémi Mulot, qui est notre invité, mesdames, messieurs. Merci Mulot, bonsoir Rémi. Plusieurs heures. Allez bien.
Alors Christian, je le répète, vous êtes atteint d'une maladie génétique rare, hein, qui est mal connue, qui s'appelle la narcolepsie. Comment ? Cataplexie aussi. Cataplexie également, ouais. Qui fait que vous vous endormez à n'importe quel moment. C'est un peu la même chose pour vous, Rémi ? Oui, mais enfin, moi c'est très, très volontaire. C'est-à-dire, j'ai décidé de dormir, je dors. Mais vous n'endormez pas malgré vous ? Non, ça jamais. Ça jamais. Il paraît. Vous dites qu'il a de la chance ? Ah bah oui. Par contre, lui, il ne peut pas se réveiller, lui. C'est là mon gros souci. Ah, t'as pas de chance. C'est ça, oui. Ça aide à repréciser. Il souffre d'hypersomnie idiopathique. Voilà. Autrement dit, vous pouvez vous endormir, enfin, vous avez souvent envie de dormir, ça va là ? Voilà, ça va là. Un petit yeux rouge quand même. Ouais, j'ai bien dormi cet après-midi. Vous avez bien dormi cet après-midi aussi. Et la nuit dernière aussi ? Aussi. Vous dormez combien d'heures par tranche de 24 heures ? En général, 5-6 heures la nuit. Le midi, une bonne demi-heure. Voire même un peu plus que je ne me réveille pas. Et l'après-midi, au moins 2-3 heures. Ouais. Faites ça en trois petits morceaux, quoi, comme les bébés. Quand j'ai le temps, quoi. Ouais. C'est forcément comme je travaille. Et comme vous travaillez, c'est pas facile. Vous souffrez donc d'hypersomnie idiopathique, je le répète. Se réveiller le matin, c'est pas que c'est un calvaire, c'est que c'est impossible, vous n'entendez pas le réveil. Hein. Vous avez essayé toutes sortes de méthodes. Quand je dis le réveil, c'est les réveils. Hein. Vous êtes jusqu'aux casseroles qui vous tombent sur la tête et tout ça. J'ai fait beaucoup de choses. Ouais. Pour comprendre l'ampleur quand même des conséquences que peut avoir une maladie comme celle-ci sur une vie sociale, combien de boulots vous avez perdu à cause de cette maladie ? J'ai perdu au moins 30 boulots dus au retard, aux absences, à tout ce qui s'ensuit. Oui, parce que le problème, c'est que globalement, votre entourage a du mal à comprendre ce qui vous arrive. Ah oui, complètement. En gros, on vous prend un peu pour un glandeur qui a du mal à se lever, quoi. Non, non, mais attendez, on rigole de ça, mais pour lui, c'est pas drôle. Hein. En fait, mon gros problème, c'est que d'une, là, c'est pas connu, c'est pas très répandu. Et en plus, le gros problème, c'est qu'on ne me croit pas. Donc, je me suis pas réveillé, on me fait « Ah, ça y est, t'as fait la bringuère, à quelle heure tu t'es couché, mais un réveil fait quelque chose, mais continue pas comme ça. » Mon problème, c'est que j'entends pas le réveil. Pourtant, vous n'êtes pas sourd. Non, ça, non, je suis pas sourd. Non, non, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est que tous les bruits que j'entends, je les inclus dans mes rêves. Ce qui fait que j'entends un réveil, pour moi, c'est normal. Parce que dans mon rêve, il y aura un réveil qui va sonner. Ouais. Donc, quoi de plus normal que de l'entendre. Jusque-là, tout va ça, bien. Ça, c'est de vous. Et on va voir que vous êtes équipé pourtant en réveil pour essayer d'arriver au boulot. On vous a suivi pendant 48 heures. C'est un reportage de Christian Catala avec Sabrina Obadia. Et on commence cette émission avec ce reportage. Dans quelques minutes, Rémi va devoir sortir de son profond sommeil. Nous sommes chez lui, juste avant que ce qu'il appelle son feu d'artifice se mette en route. Des fois, ça va être juste le buzzer, ça va réveiller sans problème. Des fois, ça va être le sonnerie du téléphone. Des fois, ça va être la chaîne fille. Enfin, faut diversifier. C'est toujours le même bruit. Si je m'habitue à un bruit, après, c'est fini. Donc, j'en mets plein comme ça, en espérant qu'avant d'arriver en bout de chaîne, je m'en réveille avant. Pas toujours évident. Pas toujours évident. Bon. Ben, on va se dépêcher parce qu'on va être encore à la bourre. Vous voyez quelle heure, là ? Là, il est 6 heures pile, donc on a juste le temps. Et je suis à l'heure, presque. À quelques minutes près, c'est tout bon. Cette semaine, combien de fois vous avez été à l'heure au bureau ? Deux fois. Donc c'est la deuxième fois, sur 4 jours. Donc deux fois en retard, 50-50. Lundi, 2 heures, et mercredi, mercredi, 2 heures. 2 heures de retard ? Ah oui. Encore parce que mon chef m'a appelé. Un problème de réveil qui coûte cher à Rémi. Il a déjà été licencié une trentaine de fois pour ses retards répétés. 6h02, on n'est pas encore au point. Allez, salut. Rémi travaille depuis 3 ans dans cet hypermarché de quincaillerie. Tous ses collègues connaissent son problème et certains d'entre eux, plus compréhensifs que les autres, l'aident même à arriver le matin à l'heure. Dès que je ne vois pas arriver à 6h15, donc je monte au bureau et j'appelle Monsieur Rémi. Qui ne répond jamais, par contre, on a toujours son répondeur.
Moi, j'aimerais pouvoir arriver tous les matins à 6h, la pêche, hein, salut, salut, tu vas bien, bon, ok, impec. Et on commence le boulot bien souriant. Là, c'est vrai qu'en arrivant à 8h, bon, j'essaye de frôler un petit peu les murs et puis de me faire tout petit, quoi. Obtenez une pâte homogène que vous sortez de l'eau à l'aide d'une cuillère. Travaillez répartout. C'est pas facile de le gérer dans le sens où il faut à la fois concilier la ponctualité des autres et à la fois la non-ponctualité de Rémi, quoi. Ça pourrait le bloquer. Si un jour il veut prendre des responsabilités, le problème c'est qu'il pourra pas être exemplaire. Est-ce que ça va le bloquer? Pour l'instant, je pense que oui. Quelqu'un qui vient quand il peut, quand il se réveille, c'est assez fatigant pour les autres parce que nous, on doit se lever comme tout le monde. Nous, on doit tenir notre poste et notre mission. Et lui, quand il n'arrive pas, ça nous perturbe, ça nous dérange. Jeudi dernier, quand j'ai vu tout ce qui est arrivé, et puis Rémi qui s'est pas pointé, j'avais appelé deux fois, il a pas répondu. Fabrice qui appelle dans la journée, il répond pas, et puis à une heure, il se réveille, et puis bon, il a appelé Fabrice, là... Oui, mais j'ai rappelé dès que j'étais réveillé. Oui, non mais bien sûr, Rémi. Heureusement, d'ailleurs. Mais à une heure, il s'est réveillé, pas avant. Mais pourquoi t'as besoin de dormir? Pourquoi tu t'endors le soir? Laisse tomber, dors pas, fais nuit blanche. Bah oui. Tu es chez nous depuis... 3 ans. Ah. Donc, tu peux quand même comprendre que, ne serait-ce que même qu'au bout de 6 mois, y'en a marre, quoi. Et toi-même, t'es le premier à dire. T'as dit, mais moi, oui, je serais... Tu as dit, moi, je serais à votre place, je me serais déjà viré. Bah oui, mais ça, oui, tout à bon. Fait. Moi, j'aurais été à votre place, je sais pas si j'aurais supporté ça. Heureusement que tu payes pour rester. Hein. Il faut que dans les 3 mois, ça se calme et ça s'arrête. Il aura tour à tour des avertissements sur avertissements et ça finira par le licenciement. Même si c'est quelqu'un qui est de valeur et qui travaille bien, il a besoin d'avoir quand même des heures strictes, comme tout le monde. Vous y croyez à ces problèmes ou pas? Sincèrement, non. J'ai hâte de voir une réponse, je dirais, médicale. Est-ce que vous pensez qu'il est malade? Sincèrement, j'espère pour lui, oui. Parce que sinon, il serait vraiment bien foutu de notre gueule, quand même. Je te jure, Fabrice, je te jure. Personne ne me croit, en fait. Je le conçois. C'est vrai que, eux, pour eux, le réveil sonne, toc, bon, ils se réveillent, c'est normal. Ils ont entendu le bruit, ils sont réveillés, c'est très bien. Maintenant, ils sont incapables de comprendre qu'effectivement, quelqu'un qui entend même un bruit gigantesque ne peut pas se réveiller. Je le conçois, c'est vrai que j'arrête pas de leur dire, mais si, Fabrice, enfin, oui, je te jure, je me suis couché tôt hier soir, je te jure, c'est vrai, j'ai pas fait la bringue. Mais bon, y a rien à faire. Ouais. De ce point de vue-là, y a rien à faire. Ils me croient pas, je sais qu'ils me croient pas. C'est sa façon de voir les choses. Et les collègues de travail de Rémi ne sont pas les seuls à se plaindre de ses problèmes de sommeil. Ses voisins, qui chaque matin ont droit à un réveil musclé, commencent eux aussi à être fatigués. Vous comprenez, vous, qu'il a du mal à se réveiller comme ça Non. Du tout. Je n'y crois pas. C'est pas possible. Des fois, je descends, je cogne dans le carreau. Des fois, j'ai bien peur de casser le carreau, mais enfin... Alors, j'entends. Ouais. Au bout d'une demi-heure, quand même. Moi, je prends des cachets pour dormir. Des fois, je m'endors pas avant 1h du matin. Quand à 5h moins 10, vous entendez. C'est dingue. La vie est peut-être infernale pour lui, mais pour les voisins aussi. Ça fait des... C'est stressant, quoi. Moi, j'ai démissionné, oui. De ce côté-là, oui. J'ai dit, stop, je peux plus. Je peux plus, je peux plus. Tout petit, il se levait pas, non. C'était clair, j'allais chercher au lit, je l'appelais. Le grand, il se réveillait du premier coup, mais lui, c'était la crise tous les matins, en fait. Bon. Quand on est rendez-vous pour chez des amis ou pour autre chose, il faut lui prévenir. Au lieu de dire que c'est 1h, on va lui dire que c'est 11h. Pourquoi? Le temps qu'il se réveille, qu'il se prépare, on sait qu'il sera peut-être là à 1h. Non, mais même moi, c'est... le dimanche, je renonce à lui dire de venir manger le dimanche midi parce que je sais qu'il y aura pas moyen de réveiller. Donc, je me passe de lui le dimanche midi aussi pour manger ensemble, en famille. C'est vrai que tous les midis, pareil, il dort. Il vient manger, bon, vite fait par contre. Et le midi, il dort minimum 1h. Si en plus il est fatigué, vous voyez, le midi. C'est... Mais par contre, là, il se réveille bien. Peut-être parce qu'il a peut-être pas le temps. Non, si, l'après-midi, quand il dort. Mais j'ai fait ma crise aussi. Oui, mais... Non, de temps en temps, je me réveille bien. Enfin, de temps en temps, alors. En fait, faut pas qu'il ferme les yeux, quoi. C'est une catastrophe, c'est catastrophique. Je suis effondré, mais... Si on en rigole pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se mettre en pleurs, quand même. C'est vrai que c'est marrant. Surtout pour les autres. Hein? À part multiplier les réveils matins, on a vu que vous avez une sono qui était très au point. Oui, c'est bien étudié. Ouais. Ouais, je pense que votre voisine en parlera encore mieux, là, si j'ai bien compris. Ouais, ouais. Ça se passe bien. Parce qu'on en a vu une, mais ouais. Plusieurs.
Ah, c'est une boîte de nuit, en fait. Voilà, en gros, ouais. Ouais. À part les réveils matins, vous avez essayé d'autres moyens de vous réveiller? Je parlais des casseroles tout à l'heure. Oui, on a vu le réveil là, avec donc les cendriers, là, qui fait un bouquin infernal. Dès comme ça, j'en ai deux. Donc j'avais essayé, on m'avait dit, mets ça dans une espèce de saladier avec des pièces, tu vois, ça marchait super. Ah oui, ça marche bien. Hein. Moi, non, ça me fait rien, mais sinon, ça marche bien. ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Donc il y a eu ça, il y a eu plein de trucs. J'ai fait au courant de l'ingéniosité. J'avais branché sur une prise comme ça un petit moteur Lego qui laissait tomber un poids, mais le problème c'est comme je bouge dans la nuit, le poids il tombe à côté. Donc c'était pour mieux au point. C'est-à-dire que vous souhaitiez que le poids vous tombe sur la gueule, voilà. Mazo en plus ou... Ah, un petit truc, juste histoire de putain, ah, qu'est-ce qui se passe, ça y est. Ah ouais, d'accord. Mais, une petite brique quoi. Ouais, évidemment ça tombe à côté. Ouais, non, ça marchait pas. Ouais. L'eau froide, si ma mère a essayé une fois, sur le coup ça m'a réveillé. Elle me fait demain tu travailles pas, je te refais la même chose. Et ben, je me suis pas réveillé non plus. La deuxième fois, elle a réessayé avec l'eau froide. Ouais, mais après, elle s'est tombée. Elle avait vu que ça ne servait à rien. Donc, ah bon. Vous n'avez pas trouvé la solution quoi, pour l'instant quoi. Non, enfin, j'ai une idée. Si pour l'instant, c'est que ma copine vient habiter chez moi. Donc, dans quel cas, elle, comme elle entend la veille, bon, c'est un peu. Et elle va se réveiller. Donc, de là, elle va me réveiller. Donc, je vais bien me réveiller sans problème. Puis, bon, il faudra qu'elle s'endorme. Ouais, oui, parce que vous avez les horaires. C'est là tout. Le problème, c'est qu'elle est insomniaque. Non, quand même pas. Ma mère, oui. Votre mère, avant. Ma mère, oui. La pauvre. À cause de vous? Ah oui. Bah, faut voir, c'est qu'avant, quand même, ça durait au moins 2 ans. Tous les matins, 5h du matin, elle me donnait un coup de fil. Et là, madame, hein. Elle a énormément de mal à se réveiller. Oui. Donc imaginez, tous les matins, donner un coup de fil à 5h. Et même, il y a des fois, descendre jusqu'à chez moi pour me réveiller. À partir de quel moment vous êtes dit que c'était peut-être une maladie et pas simplement un jeune homme qui a du mal à se réveiller? Tant qu'il était chez moi, je m'en suis pas rendu compte. En fait, pour moi, c'est un enfant qui avait du mal à se réveiller. Il m'énervait. Ouais. Parce que j'avais l'impression qu'il en faisait exprès. Ouais. Alors je secouais, oui, beaucoup. Mais c'est vrai que c'est après que j'ai vu là, que ça prenait de l'ampleur, effectivement. Ouais. Mais quand on est habitué, j'ai jamais pensé que ça pouvait être une maladie. Ouais. Cette maladie, c'est un médecin qui a mis un nom sur cette maladie après plusieurs tests. Ça s'est passé, vous aviez quel âge? Oui, en fait, il n'y a vraiment pas bien longtemps. Pour moi, comme m'a expliqué ma mère, pour moi c'est normal. Je veux dire, j'ai toujours vécu ça de la naissance à maintenant. Je sais que j'ai beaucoup de mal à me réveiller. Bon, ça c'est clair, c'est un acquis, c'est comme ça. On part dans la banalité et j'ai presque dans la normalité une fois que c'est la continuité. Je sais que j'ai du mal à me réveiller, je sais que je dors beaucoup. Bon, c'est pas dramatique, je le prends pas comme ça, mais c'est quand je vois tous les gens autour de moi qui me disent « mais c'est pas normal, fais quelque chose », je me dis là, effectivement, c'est peut-être pas normal. Et quand les gens me disent un réveil, toi, ils se réveillent, ils l'éteignent, ça y est, ils sont debout. Ça me paraît tellement surprenant, je dis, eux, ils sont pas normaux. Ils ont un problème de réveil. La médecine a pu vous apporter quelque chose, une aide d'ordre psychologique, d'ordre médicamenteuse? Pour l'instant, non. Je vais avoir un enregistrement du sommeil donc très bientôt. Là. Ouais. Donc de là, on va voir le résultat et puis on verra si éventuellement on peut faire quelque chose, j'espère. Ouais. Mais. Pas gagné, ouais. Et là, votre entourage, je pense, en saura un petit peu plus. Ceux qui doutaient de votre bonne foi quand vous disiez que vous avez du mal à vous réveiller. Mais c'est vrai que plusieurs fois, vous avez eu face à vous des gens qui ne vous comprenaient pas. Et ça doit être terrible. Quoi. Tout le temps. Tout le temps. En fait, si, il y a vraiment que les gens qui ne sont pas impliqués. En fait, bon, ma mère, ça voulait dire qu'elle devait se réveiller pour moi. Le travail, ça veut dire que je suis dépendant du travail. Parce que forcément, quand j'arrive en retard, je mets tout le monde dans la... en même dans temps la, que moi. Ça s'appelle la... Ouais, voilà, c'est ça, la chose, là. Et donc... En fait, tous les gens qui sont impliqués se disent « ouais, ils sont de moi, c'est pas possible, bon, c'est sûr. » Maintenant, les copains qui... Vraiment, les amis qui passent à la maison, bon, maintenant, ils savent, ils frappent, s'ils n'entendent pas, bon, si la porte est ouverte, ils rentrent et puis ils savent que je dors. Donc, de là, ils me réveillent. Eux, ils sont pas vraiment impliqués. Je dors, pour eux, c'est pas grave. Bon, très bien. Christian, est-ce que vous êtes reconnu un peu dans ce témoignage? C'est pas exactement la même maladie, mais... Non, il y a des points communs. Je veux dire, le fait de ne pas être compris, le fait de dormir, d'arriver sur le lieu du travail quand les autres y sont depuis 2 heures avec le sourire, machin, vous arrivez, machin. Donc là, à moitié endormi, c'est assez semblable. Et puis l'incompréhension des proches, quelque chose de très, très, quelque chose de flagrant, disons. Ouais. Hein, c'est ah, tiens, t'es un gros dormeur, t'es feignant, etc. C'est tiens, tu t'endors, pourquoi donc, qu'est-ce que t'as fait la nuit dernière? Et puis les gens ne comprennent pas, vous avez dormi 12 heures la nuit, vous arrivez, vous êtes encore dans le coltard, vous dormez un peu aussi dans la matinée, et les gens se disent, c'est pas possible, il nous ment. Disons qu'on ne souffre pas exactement de la même maladie, apparemment, enfin, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est l'hypersomnie, vous, c'est narcolepsie. Moi, c'est narcolepsie et cataplexie, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. On va y venir à la cataplexie. D'accord. Il y a quand même un point semblable qui est extraordinaire, c'est alors, hier, la boîte, c'était bien, t'es en retard. Exactement. Voilà. Ça, c'est le courant, ça. Et vous sortez où, alors?
Eh ben, ah pardon, j'ai pas compris. En boîte. En boîte, ouais. Ce qui est génial, c'est qu'on va vous croire maintenant. Ouais, enfin, normalement, on devrait, ouais, la dernière fois que je suis allé en boîte, quand même, j'ai dormi. Hein. En boîte de nuit? Oui, à côté du haut-parleur. La tête bien contre l'enceinte. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Exactement. C'est-à-dire que bah, j'étais assis, puis, puis j'attendais la danse suivante, et entre-temps, bah, entre-temps, on m'a dit, au fait, on ferme. Je voulais bien sortir. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Là, vous vous sentez fatigué, là? Oui. Vous avez bien dormi la nuit dernière? Bah là, moyennement. Pas suffisamment? Pas suffisamment. C'est combien suffisamment pour vous? Suffisamment, c'est 11-12 heures. Ouais. Ouais. Plus une petite sieste, si c'est possible? Plus plusieurs siestes dans la journée. Plusieurs siestes? Ouais, ouais. De combien ça de temps? Ça peut être un quart d'heure, ça peut être une heure, ça peut être, ça peut être beaucoup plus. Il m'est arrivé des journées, je m'amusais à compter, comme ça je dormais 17 heures dans la journée, 18 heures. Une fois, j'avais battu le record, 20 heures. Enfin, ça peut être énorme. Voilà. Et c'est, Mais sans une, situation, sans une sensation de pleine forme après, quoi, je veux dire, sans avoir la sensation de... Non, pas forcément une sensation de pleine forme, justement. Ah, ce qui fait qu'on peut se réveiller en pleine forme comme ça pendant 10 minutes, et puis après, on peut retomber au même temps. C'est très... En fait, ce qui est étonnant, c'est que même si vous êtes sous pression, même si vous êtes sous tension, vous avez bossé comme attaché parlementaire, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Comme attaché on a une photo qui est assez intéressante à regarder. On va la regarder tout de suite, regardez. Là, j'étais donc attaché parlementaire. Il y a un ministre, un député, un préfet. Ouais. Et ça, c'est une photo qui a été prise, qui est passée dans un journal. Et on me voit derrière en train de dormir contre le mur. Je dors debout. C'est la fatigue, excusez-moi, ça va peut-être paraître crétin comme question, mais est-ce que c'est la fatigue qui vous donne envie de dormir? Non. Ou est-ce que ça peut être aussi d'autres facteurs? Non, 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 je peux être en pleine forme, bien manger, etc. Et avoir envie de dormir, c'est pas forcément la fatigue. La fatigue peut contribuer, bien sûr. Une émotion? Alors non, les émotions, c'est d'un autre type. Après, je vais tomber dans les cataplexies. Alors cataplexie, qu'est-ce que c'est la cataplexie? Alors cataplexie, c'est un joli nom pour dire qu'on a une chute de tonus musculaire, en gros. C'est-à-dire qu'on peut être... je me souviens quand j'étais petit, la première fois, ça m'a marqué. Je devais avoir peut-être, je ne sais pas, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Entre copains, on se raconte des blagues. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'on rit très fort. Et là, heureusement qu'il y a un mur à côté pour s'accrocher. Voilà, donc on s'accroche au mur et parce qu'on tombe. On tombe, c'est-à-dire qu'on perd, la force dans ses jambes, dans ses bras, on peut même perdre un peu la faculté de s'exprimer. Et lors d'une émotion trop forte, ça peut être le rire, la peur, plaisir, enfin, sur un certain nombre de choses, on s'écroule. Et voilà, c'est toujours très marrant pour les autres. Hein. J'ai passé des examens comme ça, puisque je suis actuellement étudiant, j'ai passé des examens, donc c'était il y a 2 ans, en fin d'année. Je me souviens avoir eu très peur avant un examen, je me suis retrouvé par terre, à genoux, puis sur les fesses, et autour de moi j'entendais, tiens, il a encore bu lui. Voilà. Donc là c'est cataplexie ou, narcolepsie, non, ou les deux? Non, non, cataplexie. Ah, vous êtes tombé, boum. On tombe. On tombe sur les genoux, sur les fesses, on ne peut pas forcément parler, on se sent très bête. Vous avez dit émotion, toutes sortes d'émotions, donc le rire, le tristesse. La tristesse, la peur. Le plaisir aussi, vous nous avez dit. Oui. Intéressons-nous à la casse-pied. Donc, par exemple, quand vous avez une émotion, vous embrassez une jeune fille, vous n'avez rien? Oui, oui, par exemple, la première fois que j'ai embrassé une jeune fille, donc lors de l'adolescence, je me suis retrouvé dans une fâcheuse situation, puisque bon, elle est partie. Hein. C'est-à-dire que je me rappelle, j'étais sur un banc au collège, et donc j'ai voulu l'embrasser, et de peur de l'embrasser, je me suis retrouvé allongé sur le banc. Et elle s'est dit, qu'est-ce qui lui arrive? Je suis tombé sur un tocard, machin, tout. Enfin, je sais pas trop ce qu'elle a pensé. Et toujours est-il qu'elle n'a pas trop cherché à me revoir par la suite, et, et ça m'a marqué quand même. Ça, quand vous rencontrez une jeune fille, vous prévenez? Non, parce que c'est une chose dont on se cache. C'est arrivé plusieurs fois, ça, je veux dire? C'est arrivé plusieurs fois, oui. Lors d'autres, c'est délicat à en parler, mais enfin, lors d'autres émotions, quand on se trouve dans des moments un peu intimes. Plus intime que le baiser, vous voulez dire. Plus intime que le baiser. Oui. On se retrouve dans une situation telle que... Bon, la maladie dont je souffre est accompagnée aussi d'hallucinations à certains moments. C'est-à-dire que certains prennent peut-être du LSD, des choses comme ça. Moi, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, déjà, ça commençait un peu à cause de la pénombre, etc. Et on voit des petites choses qui se baladent, on voit vos cheveux qui commencent à partir d'un côté de l'autre. Vous parlez de qui, là, de moi ou... Oui, oui. C'est vrai? Oui, oui. Voilà, donc ça peut se manifester par des choses comme ça. Et au lit, une fois, notamment une fois, c'était arrivé, j'avais passé une soirée un peu, bon, ben, on danse, etc. On se retrouve au lit avec quelqu'un. Et puis, lors de la soirée, vous commencez à voir des petits bonhommes qui se trimballent au plafond. Et vous avez l'impression qu'il y a du monde autour de vous, ce qui n'est pas du tout le cas. Et vous perdez les pédales, vous criez un coup, vous barrez du lit. Et la fille reste là. Je vais faire un effet comme ça. C'est genre, je t'ai mordu, qu'est-ce qui s'est arrivé? Non, non. Alors, pour expliquer ça, c'est pas évident.
C'est pas évident du tout. Mais ce sont donc même des hallucinations qui peuvent être un peu effrayantes, alors j'ai bien compris. Ah oui, 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 ça peut être effrayant. Vous pouvez voir un crocodile marcher sur votre lit, alors que vous n'êtes pas endormi. Le matin, vous vous levez, vous voyez encore des choses un peu bizarres, vous êtes à moitié dans vos rêves. Il y a des choses qui m'arrivent, par exemple, c'est parce que moi, j'ai un lien avec le rêve qui est assez fort, étant donné que je rêve énormément. Je passe, pour ainsi dire, ma vie entière à rêver. Même là, enfin, je ne suis pas tout à fait dans la réalité, à vrai dire. C'est-à-dire ? Eh bien, pour moi, c'est un rêve. Ni plus ni moins. Mais c'est un rêve. Vous m'assurez. Oh, vous avez entendu du bruit ? Mais je vous pince. Edouard ? Non, mais ça marche pas parce que dans les rêves, j'ai aussi ça. Vous vous faites pincer aussi dans les rêves aussi. Oui, oui, mais ça marche pas. Oui, parce que j'ai des rêves parfois qui se passent comme la réalité. J'ai un exemple, c'est qu'il m'arrive de rêver. Et puis le matin, je me réveille. Je prends mon café, je me lave, etc. Et puis d'un seul coup, je me rends compte qu'il y a quelque chose de pas normal. Par exemple, il neige alors qu'on est en plein été ou des choses comme ça. Ou alors, je sais pas, il y a quelqu'un chez moi alors que moi, je suis encore tout nu, etc. Donc, il y a des choses bizarres qui se passent. Et c'est là que je me rends compte que je rêve encore. En fait, je croyais m'être levé, mais je suis encore en train de rêver. Vous dormez ? Et je dors. Et donc, j'essaye de me réveiller dans le rêve. Et là, je me réveille, mais je suis encore en train de rêver. Ça peut arriver comme ça pendant un certain temps. C'est incroyable. C'est affreux, hein, parce que vous essayez de toutes vos forces de vous réveiller, vous n'y arrivez pas. Au bout d'un moment, vous vous réveillez. Et là, vous êtes dans le lit, allongé, vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes complètement tétanisé, d'une certaine manière. Vous ne pouvez plus prendre contrôle de votre corps. Et puis, au bout d'un certain temps, vous y arrivez. Et, les premières fois que ça arrive, c'est affreux. C'est une maladie génétique, oui. Rare. Vous l'avez su à quel âge ? J'avais 20 ans. Ah oui, vous l'avez su vachement tard, parce que vous avez quel âge maintenant ? J'ai 22 ans. Ah oui, c'est tout récent, donc jusqu'à 20 ans, vous vous êtes dit quoi alors ? Moi, je me suis dit que c'était normal, parce que je vivais comme ça. C'est pareil, hein, parce que toi, c'est pareil, tu te dis que c'est normal. C'est l'habitude qui fait que, pour nous, c'est normal, depuis tout petit, on connaît ça. C'est vous qui n'êtes pas normaux. Voilà. Entre guillemets, c'est vrai. C'est pas normal d'être normal, Laurence, on vous le dit depuis le début. Je suis rassurée, je suis vraiment rassurée maintenant. Non, c'est vrai, c'est pas. Pour moi, je suis normal. Vis-à-vis des vies sociales, je suis pas normal. Ouais. C'est-à-dire qu'avoir une vie sociale, c'est dur. Docteur, vous aviez l'air assez intéressé par ce que racontait Christian. Oui, j'ai été très intéressé par le fait qu'il décrit bien des phénomènes hallucinatoires. Donc, on dit que c'est génétique, j'en suis intimement persuadé, mais il doit y avoir un phénomène psychologique derrière ça, et idéomoteur. C'est-à-dire qu'il nous a très bien décrit que certaines émotions, certaines situations déclenchent. Oui, bien sûr. D'accord ? Ouais. Ça veut dire que dans l'enfance ou dans la petite enfance ou plus tard, il a lié certaines situations à des réactions de cet ordre, qui sont cette hypersomnie. Ou cette cataplexie. Quel type de situation ? Parce que... Je ne sais pas, il serait intéressant de les explorer. Que vous fassiez une exploration au niveau du sommeil, c'est très bien, mais je crois qu'il faudra faire également une autre exploration. Qu'est-ce que ça vous a appris alors ? Comme vous voyez tout à l'heure, les électrodes, etc. C'est nettement insuffisant. Je pense qu'il y a des apprentissages. On vous met des électrodes sur la tête pendant une nuit. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit après avoir mesuré votre sommeil, observé vos phases d'éveil ? Alors ils ont vu que je rêvais beaucoup. Ouais. Ça, parce qu'on le voit sur le tracé, donc ils ont vu que je rêvais énormément. Il y a une caractéristique aussi, c'est-à-dire on s'endort, on tombe directement dans le rêve. Normalement, il faut un certain temps pour aller au rêve. Et vous, là, aussi vous aussi, vous tombez pas. Moi aussi, qu'il me faut moins. Bon, quand je suis vraiment fatigué, moins de 30 secondes pour m'endormir. Sinon, 2 minutes, c'est un record. Quoi. Ouais. Et dès que j'ai fermé les yeux, c'est bon, ça y est, j'ai commencé mon rêve. Ah voilà, c'est ça. Vous entendez ça, madame, vous qui n'arrivez pas à dormir sans médicaments depuis une vingtaine d'années maintenant, ça vous fait penser à quoi ? Au départ, ça me faisait envie, mais plus la discussion avance, plus je commence à me contenter de mon sort, finalement. On relativise. C'est les serpents au plafond qui vous ont pas plu, peut-être, non c'est... J'ai toujours un nid de vipère dans la tête, là, ou ouais. Non, non, ça va. Non. Ça va. Tout à l'heure, je vous avais eu une petite allu. Oui, oui, tout à fait. Et là, c'est revenu. Là, ça va mieux, là, sur le moment. Je parle, tout ça, ça m'aide. D'accord. Moi, en même temps, je sens bien que c'est... Enfin, c'est pas toujours évident de parler, d'être... Ouais. Il faut rester vigilant, essayer de pas s'endormir. C'est une lutte en permanence, en fait. Ouais. Autour de vous, mais vraiment autour de vous, qui comprend et qui comprend pas ? Qui comprend ? Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a personne qui comprend. Ça, je suis clair, même les médecins. Je suis persuadé que ma vie, personne ne peut la comprendre à part moi. Vous avez déjà rencontré des gens qui souffraient de la même maladie que vous ? Non.
Non, non. D'ailleurs, j'ai l'intention d'en rencontrer parce que je voudrais partager peut-être cette expérience. On peut peut-être mettre en contact avec des gens qui vous aideront à rencontrer d'autres gens qui souffrent des mêmes, mêmes maux. Peut-être que ça vous aidera à vous sentir moins seul, parce que c'est terrible de se sentir seul. On se sent très seul. Très seul. Bon, déjà, vis-à-vis des relations au niveau des camarades, etc., à l'école, c'est pas évident d'avoir des relations avec les camarades. Déjà, vous séchez l'école souvent. Donc, on vous dit pourquoi ils sèchent l'école, etc. Ils dormaient. Ils dormaient. Ou alors, quand vous êtes en cours, vous dormez sur la table. Alors, il y a des profs qui comprennent, d'autres non. Il y en a, c'est. Ils vous réveillent d'un coup sec. Christian oui. Ah, d'accord. Et vous êtes en cours, etc. Et vous tombez des nues, quoi. Vous avez l'impression que vous êtes en train de rêver. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous réveille. Vous ne savez plus où vous êtes, quoi. Non. Alors, je ne sais plus où je suis, je le réalise. Il y a une habitude aussi. Ouais, donc, problème de concentration, quoi. Comme, énorme. Énorme, ouais. Énorme. Mais en même temps, je dirais que j'ai eu de la chance parce que j'aurais pu louper mes études. J'aurais pu. J'allais très peu à l'école, j'ai pas été à la maternelle parce que je suis resté chez moi à dormir. Au collège, au lycée, c'était toujours pareil, donc j'allais très peu en cours. Bon, je pense que ça m'a aidé, le fait d'avoir eu ces difficultés m'a aidé à prendre le dessus pour d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu me dépasser. Quand on a très peu d'heures dans la journée, quand vous allez sous la douche et puis au lieu que ça prenne 5 minutes, vous restez 3 quarts d'heure ou vous allumez l'hôtel. Vous endormez sous la douche? Oui. Oui, oui, avec le G, comme ça, ça peut se faire. Oui, oui, tout à fait. C'est bien froid, bien. Non, non, mais à la limite, bon, puis trop froid, c'est pas agréable. Il faut quand même un minimum de confort dans la vie, quoi. Ouais. Si vous passez votre journée à vous donner des claques, vous pincez les mains et puis vous prendre des douches froides, je sais pas si vous vivrez bien. Ouais. Donc il faut un minimum, mais en même temps, non, ça n'y fait rien. Je peux m'endormir sous la douche, tout à fait. On regarde les insomniaques qui sont sur ce plateau, Alban par exemple ou madame. Madame dort 2 heures par nuit si elle ne prend pas de médicaments en gros. Oui, 2 à 3 heures. 2 à 3 heures, oui. C'est pas beaucoup. Hein, ça... Non, c'est non. Pas suffisamment pour vivre pas, hein. Correctement. Si vous prenez un médicament, vous dormez combien d'heures? 5 heures, 6 heures. Ah quand heures. Même ah, seulement, oui, non, mais j'en prends. Non, mais je veux dire que je multiplie la dose de médicaments. C'est-à-dire que j'en prends un premier qui m'amène. Bon, je crois qu'il y a 2 types de médicaments. Il y a les anxiolytiques et il y a les hypnotiques. Alors, les hypnotiques, en fait, induisent un sommeil, mais de courte durée, environ 3 heures. Donc, au bout de 3 heures, c'est très clair, je me réveille. Alors, si j'angoisse de trop, j'en reprends un qui me ramène jusqu'à 2 heures ou parfois 3 heures de sommeil. Et bon, bah, j'arrête là parce que sinon, je ne vais quand même pas avaler un tube de médicaments toutes les nuits. Non. Et il y a un autre type de médicament, les anxiolytiques. C'est par là que j'ai commencé en fait. Ouais. On verra dans quelles circonstances tout à l'heure. Mais absolument. Ce que je voulais demander à Christian, c'est on regarde ceux qui n'arrivent pas à dormir. Ils peuvent m'envier. Ils peuvent vous envier? Oui. Est-ce que vous vous sentez enviable par rapport à eux? Vous vous sentez avantagé ou désavantagé? Différent. C'est clair comme ça. Vous devez avoir l'impression d'avoir une vie à mi-temps, non? Oui. Jusqu'à mi-temps même. J'ai dit ma vie, je la considère à tel point, je passe tellement ma vie dans les rêves, dans le sommeil et tellement peu dans ce que la plupart des gens appellent la réalité que pour moi c'est l'ensemble de ma vie qui passe au plan de rêve. Ça me permet d'avoir un certain recul sur les choses aussi. C'est-à-dire qu'on prend plus les choses à la légère quand on sait que c'est pas sérieux, quand on sait que c'est du domaine du rêve, quand on sait que c'est de la réalité. Je crois que ça permet de rêver, ça me permet, bon, moi, d'avoir une activité artistique importante puisque je fais beaucoup de peinture à côté. C'est en rapport avec vos rêves? Oui, énormément. C'est-à-dire que j'ai souvent rêvé de tableaux que j'ai réalisés après. Je prends l'autre exemple, vous avez pensé que je suis obsédé, mais si par exemple vous rêvez d'une fille le matin, ça, l'après-midi, vous la rencontrez? C'est arrivé, oui. C'est arrivé aussi? Oui. C'est pas vrai. Pas plus tard que dernièrement. Pas plus tard que dernièrement, là? Oui. Racontez-nous ça. Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Arrête. Oui, oui. C'est chez nous. Elle est là? Oui. Elle est là? Oui. Bonjour, c'est qui? C'est vous, mademoiselle, bonjour. Vous avez rêvé d'elle? Oui. Et alors? Puis je savais qu'on serait ensemble et c'est le cas. C'est pas vrai. Vous savez... Qu'est-ce qui vous a raconté exactement? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Vous appelez comment? Éléonore. Bonsoir, Éléonore. Bah, il m'a dit effectivement qu'il avait rêvé de moi, qu'il me rencontrait comme ça. Et ce qui est curieux, c'est que moi aussi, j'avais fait un rêve de mon côté. Et c'était la même chose. Non, je vous assure. Attendez, c'est surprise, là, non? Non, c'est la réalité. Non. Non, c'est pas vous qui rêvez. C'est pas moi qui rêve, pour une fois, ouais. Là, on rêve pas, là. Et vous avez rêvé de lui aussi? Oui, oui. D'accord. Foutez de ma gueule, pas du tout. Pas du tout. Je peux vérifier. Mais...
Vous avez rêvé de lui en quelles circonstances? Vous avez rêvé de lui dans quelles circonstances? Bah, c'était une rencontre comme ça et ouais, c'était plus le décor, l'atmosphère. Vous pensez quoi, vous? Je trouve ça assez merveilleux, en fait. Ouais. Vous rêvez, vous réalisez, c'est extraordinaire. Ouais. Et est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent vous aider? Oui, je suis actuellement traité, donc sous, je ne sais pas si on peut donner le nom du médicament. Du médicament, non, mais du genre de médicament, ouais. Bon, c'est un, il y en a qu'un comme ça, en tout cas, à ma connaissance. Mmh. C'est un médicament qui empêche de dormir, tout simplement. J'ai demandé à Patrick Lemoine, qui est psychiatre et spécialiste du sommeil, de venir nous joindre. Monsieur Patrick Lemoine, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Je vous applaudis. Bonsoir, monsieur. Alors, on vient d'entendre deux témoignages de personnes qui dorment beaucoup, plutôt beaucoup. Donc, je vais vous faire parler de moyenne, docteur, et à mon avis, vous n'allez pas aimer ça. Mais on a certainement quand même des statistiques qui nous permettent de savoir, en moyenne, en France, combien d'heures par 24 heures les gens dorment, à peu près. Oui, on va parler de moyenne, mais pas de normes. Non, pas de normes, absolument, clair de moyenne. Il n'y a pas de normes, chacun dort le temps pour lequel il est programmé. Des gens qui dorment bien avec 3 heures, des gens qui dorment bien avec 12 heures. Mm. C'est normal. Mais la moyenne, c'est entre 6 et 8 heures. Donc, en gros, 7 heures en France. Ah ouais. Et comment ça se fait qu'il y en a qui peuvent dormir 3 heures et d'autres 12? Alors ça, c'est un grand mystère. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que les gens qui dorment très longtemps, par exemple 10 heures, ou ceux qui dorment 3 ou 4 heures, lorsqu'on enregistre leur sommeil, on s'aperçoit que le sommeil profond, celui qu'on appelle à onde lente dans les enregistrements... Celui qui répare, celui-là? Voilà. Ouais. Et il est à peu près pareil chez tout le monde. En proportion? On dorme longtemps. Donc, il y a le sommeil... En proportion ou en, non, en durée absolue? En durée absolue, d'accord. En temps absolu. Donc, on peut considérer qu'il y a un noyau dur, incompressible du sommeil, qui est indispensable, nécessaire, où on se restaure, on sécrète des hormones, notamment une hormone de croissance, ouais. Donc très important chez les enfants, mais même chez l'adulte. Et puis, le reste, c'est un peu du luxe. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de dormir plus que ce temps nécessaire, incompressible, et puis des personnes qui, à votre image, peuvent dormir beaucoup plus. J'ai une question. Est-ce que vous pensez, vous avez dit que le sommeil joue sur la croissance? Ah non, pas uniquement. Non, c'est aussi une restauration. D'accord. Mais en ce qui vous concerne, je voudrais quand même rectifier... Il n'a pas posé sa question. Hein, je voudrais je rectifier quand même... Là, il n'a pas posé sa question, docteur. Oui, moi, non, je n'ai hein. pas posé. Pardon. Votre service. Merci. La question que je vais poser, est-ce que vous pensez que ça peut... améliorer la mémoire, par exemple? C'est une question controversée, mais je pense effectivement que oui, pour deux raisons. Si vous dormez mal, et ça, n'importe qui peut avoir expérimenté des mauvaises nuits de sommeil, eh bien, dans la journée, vous êtes mal réveillé, vous êtes mal concentré, vous faites pas bien attention, donc vous mémorisez pas. Et puis, on sait aussi, ça a été étudié notamment chez des étudiants, si pendant 15 jours, on les fait bosser énormément pour apprendre une langue étrangère, on voit qu'il y a certains stades de sommeil qui sont augmentés après ces efforts de mémorisation. Donc là, c'est la démonstration par l'inverse que vous lui faites, en fait. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'un gros effort de mémoire dans la journée pour engrammer, c'est-à-dire stocker dans ses neurones ces informations supplémentaires, on produit plus certains stades de sommeil. Vous avez l'impression d'avoir une mémoire exceptionnelle? Oui, ça a été testé, même au niveau des tests de QI, etc., puisque c'est ce qui m'a servi dans ma scolarité. Mmh. C'était d'avoir une bonne mémoire, parce que je suis capable de lire un livre de 500 pages, de mémoriser, pour ainsi dire, entièrement, en une lecture, à peu près. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment lié à la narcolepsie cataplexie. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette maladie qui mémorisent bien aussi. Ouais. Mais je voudrais quand même insister pour rectifier une idée. Je suis désolé, mais les hallucinations hypnagogiques sont strictement un symptôme de la narcolepsie. Ah. Les narcoleptiques sont des gens complètement normaux. C'est pas psychologique, je veux dire, on n'est pas normaux. Non, c'est neurologique. C'est neurologique, ça n'a rien de psychologique, ça n'a rien à voir avec les événements de l'enfance, ouais. Ça n'a rien à voir avec des hallucinations qu'on peut trouver dans la schizophrénie ou d'autres maladies. Mais c'est bien que vous disiez ça, parce que généralement, les gens font l'amalgame. Non. C'est-à-dire, ils se disent, lui, il a un problème psychologique. C'est pas le cas. On est d'abord, il n'y a pas besoin d'être psychiatre pour voir que vous êtes complètement normal, déjà. Dans le cas, évidemment, où la norme existerait. Oui, mais les hallucinations, donc, sont vraiment des manifestations. Vous voulez dire quelque chose? En fait, il rêve éveillé. Il a toutes les manifestations qu'on a pendant le sommeil paradoxal, qui est le stade où on rêve le plus. Par exemple, quand il est paralysé au réveil, paralysie flasque. Ouais. Il ne peut pas bouger, il se réveille, il ouvre les yeux. Pendant quelques secondes, il ne peut pas bouger. Il faut qu'il se concentre sur son petit doigt pour que tout magiquement reparte. Ouais. Pendant le sommeil paradoxal, on est paralysé. Lorsqu'il a des hallucinations, pendant qu'on rêve, c'est évident qu'on a un scénario d'hallucination. Mmh. Lorsqu'il tombe en cataplexie à l'émotion,
pendant le rêve, une fois de plus, on est paralysé. Et puis lorsqu'il tombe endormi, bah, c'est qu'il tombe en sommeil. Donc en fait, il dissocie tout ce qui fait les caractéristiques du rêve. C'est ça son problème. Est-ce qu'il peut espérer guérir? Parce que vous dites que vous êtes malade, ça a plein d'avantages, on l'a compris, artistique notamment, de faculté de mémoire aussi, de vision aussi, Éléonore, à votre service. Mais ça a aussi quelques inconvénients, on a bien compris lesquels. Le fait de s'endormir debout, de s'endormir en cours, de s'endormir au travail, le fait d'avoir besoin de dormir 12 à 15 heures par jour. Est-ce que ce garçon peut espérer guérir et avoir un rythme de sommeil dans la norme, c'est-à-dire dormir entre 6 et 10 heures par jour, par nuit, quoi. Alors, pour le moment, il nous l'a très bien dit, c'est une maladie génétique. C'est même la plus génétique, la plus héréditaire de toutes les maladies connues en médecine, hein, puisque la quasi-totalité des personnes qui ont cette maladie appartiennent au même groupe sanguin, HLA. Donc, il a sûrement des gens de sa famille qui ont les mêmes manifestations. Ou alors papa et une maman qui se croisent et qui ensemble... Non. Il y a sûrement des gens qui ont cette maladie. Il y a à ma connaissance, non. Ouais, mais il y en a. Cherchez bien, vous en trouverez. C'est bien pour ça. C'est bien pour ça que je suis surpris que le diagnostic ait été posé seulement à l'âge de 20 ans. Si c'est génétique, il y a des gens dans sa famille qui sont porteurs. Depuis tout petit, je suis comme ça. Oui, mais le diagnostic a été posé officiellement à l'âge de 20 ans. Oui, mais c'est une maladie piège. Il y a une étude qui a été faite à Montpellier par le professeur Billard. Oui. Les médecins ne connaissent pas cette maladie puisqu'il y a en moyenne à peu près 18 ans entre le premier signe et le diagnostic. C'est piège. Un jeune homme qui se casse la figure chaque fois qu'il croise une jeune fille un peu émouvante, il ne passe pas vraiment pour avoir une maladie neurologique héréditaire. On pense à autre chose. Et quand c'est une jeune fille, c'est en général encore plus interprété. Donc, et puis parfois, c'est partiel la cataplexie. Toutes les expressions « j'ai la bouche bée ». Il voit quelqu'un, bouche bée, ou bien alors les bras m'en tombent, il fait tomber toutes les assiettes par terre, voilà. J'ai les jambes coupées, toutes les expressions populaires sont issues de la cataplexie. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Donc le diagnostic est très difficile, c'est une maladie rare, hein, 0,2 pour 1000 personnes, et les médecins n'y pensent pas, et ils rigolent, parce que malheureusement c'est une maladie ridicule, incomprise, et c'est une maladie neurologique. Qui rend ridicule. Qui met dans des positions gênantes, quoi. J'insiste, ça n'a rien de psychologique, c'est neurologique. D'accord. Docteur, rappelez-nous, à quoi ça sert le sommeil? Alors le sommeil, je vous décevrais beaucoup si je vous disais que personne ne sait vraiment. On a quand même quelques idées. C'est un état de repos périodique de l'ensemble de l'organisme. La tête, le cerveau, le corps, tout ça, ça se repose. Ça apparaît avec l'évolution. Par exemple, les poissons, on n'est pas vraiment sûr. Les reptiles, on n'est pas très sûr qu'ils dorment vraiment. Mais au fur et à mesure qu'on monte dans l'évolution, on voit apparaître les stades de sommeil. Et puis, dès qu'on est dans les animaux à sang chaud, on est certain qu'il y a du sommeil paradoxal. On n'ose pas parler de rêve, parce qu'on n'interviewe pas très souvent les rats et les cigognes. Mais on pense quand même qu'il y a des stades. Non, mais les animaux domestiques, familiers, on voit bien qu'il se passe des trucs dans leur sommeil. Donc tout le chien rêve, le chat rêve. Tout à fait. Il y a même une étude amusante qui a été faite où on prend des chats. Et puis, on détruit, je suis désolé pour les adeptes de Brigitte Bardot, mais on détruit un petit noyau dans leur cerveau. Brigitte Bardot n'est pas un chat, pardon. Non, mais elle les aime bien, paraît-il. On détruit un petit noyau dans leur cerveau, qui s'appelle le locus ceruleus, et là, on voit les chats qui se mettent à agir leurs rêves. Donc, ils lapent un lait virtuel, ils s'accouplent avec une chatte imaginaire, ils peuvent griffer un agresseur qui n'existe pas, ils vivent complètement leur rêve. Ils font l'amour avec une lampe, ils griffent Non, avec rien, ils ont besoin d'absolument rien. Et si on faisait la même chose sur l'être humain? Eh bien, il existe une maladie, je crois qu'on va en parler d'ailleurs un peu plus tard, ces comportements agressifs pendant le sommeil peut-être correspondent à quelque chose d'approchant. Ah oui. Si on dort trop, plus que son rythme normal le demanderait? Ah non, c'est pas bien. On doit respecter ses rythmes. On peut être moyen, court, long dormeur. On peut être du matin ou du soir ou indifférencié. C'est vrai, ça, on peut être du matin, du soir. Moi, je suis un sujet caricaturalement du matin. Il faut que je me lève à 5h30. Si je fais une grasse matinée à 6h30, c'est la catastrophe. Je suis dans le coltard. Donc, il faut. Les sujets du matin, en général, sont assez chronorigides. Il faut qu'ils se lèvent toujours à la même heure. Ce qui est terrible chez vous, dans ce que vous nous dites, docteur, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est qu'en gros, il faudrait respecter des rythmes réguliers de sommeil. Surtout au niveau du réveil. L'endormissement, il n'y a pas trop de problèmes. Parce que ce qui donne le rythme, c'est l'heure du lever. C'est pour ça que c'est très difficile pour vous. Les insomniaques, les déprimés, les migraineux, les narcoleptiques, les hypersomniaques devraient avoir des rythmes très rigoureux, surtout les insomniaques, qui doivent se lever toujours à la même heure et plutôt de manière assez précoce. On va voir ça avec Alban d'ici quelques instants dans un reportage. Mais parlons de l'immense majorité des gens, de ceux qui nous regardent, etc. Vous dites que même le week-end, donc, je veux dire, hein, donc si on a fait un peu la bringue ou n'importe quoi, il faudrait 7 jours sur 7 se lever à peu près à la même heure pour pouvoir être... Si on est insomniaque, je répète, si on va bien, on fait ce qu'on veut. Vous n'êtes pas insomniaque, vous.
Non, mais pourtant, vous dites que je me réveille à 5h30 tous les matins. Parce que j'aime bien. Ah oui, là, vous avez un peu les yeux rouges à ce temps-là aussi. Non, c'est voulu bien. C'est voulu bien, c'est ça. Non, mais quelqu'un qui sort exceptionnellement un peu tard, vous lui conseillez, s'il a un rythme habituel de lever à 7h du matin, de continuer à perdurer dans ce rythme. Surtout s'il est du matin, même s'il fait la java ou une garde jusqu'à 4h du matin, s'il est programmé pour 7h, il se lève à 7h, fait une petite sieste de moins d'une demi-heure, puis il se couche plus tôt le lendemain soir. La sieste, il faut que ça soit dans quel, pour vous, dans quelle fourchette? Sous nos climats, en principe, on recommande moins d'une demi-heure. Sous nos climats, évidemment, quand on est en Espagne ou plus bas encore, on a besoin vraiment de dormir plusieurs heures parce qu'on doit abaisser la température du corps. Quel rapport avec le climat? Parce que quand il fait très chaud, on doit abaisser la température du corps nécessairement quand il fait très très chaud vers midi. Et dans ce cas, on le fait en dormant. On estime qu'un Français sur 5 dort mal. Je ne sais pas si ce sont les statistiques que vous avez aussi, c'est ça. Comment expliquer qu'une fonction aussi vitale, parce qu'on est obligé de dormir, si on force quelqu'un à ne pas dormir, on le verra tout à l'heure avec des cas de torture, c'est terrible, ça modifie tous les comportements et ça peut aller jusqu'à la mort. Donc quand on modifie une fonction aussi vitale que dormir, manger, respirer, comment on peut comprendre que les gens peuvent avoir des problèmes à la nourriture, il y a l'anorexie, la boulimie, des gens peuvent avoir des problèmes à la respiration, ce sont des maladies organiques, mais le sommeil, on a l'impression quand on est fatigué, on s'endort, quoi, que c'est quelque chose de naturel, que le corps appelle. Comment expliquer qu'une personne sur 5 ait autant de problèmes avec le sommeil? Ça n'est pas aussi vital que ça. Le record d'insomnie, mais voulu, de quelqu'un qui voulait être au Guinness des records, le record voulu, c'est 11 nuits. Quelqu'un, un étudiant, un jeune de 18 ans, ça s'est passé dans une unité de sommeil, de manière très certaine, bien faite, sécuritaire, eh bien, il est resté comme ça longtemps sans dormir. 11 fois 24 heures. Oui. Il était enregistré, il avait des électrodes partout. Alors, comme c'est la règle, il a eu quelques hallucinations, mais il n'était pas forcé, ce n'était pas une torture. Donc, ça s'est assez bien passé. Il a passé une super nuit de récupération après, où il y a eu beaucoup de sommeil profond, plus que normalement. La deuxième nuit, un peu plus. Puis après, c'est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas de dommage pour la santé ? Non. Non, il était jeune, il était surveillé médicalement. On ne recommanderait pas de faire ça régulièrement. Docteur, en une nuit, il en a récupéré 11 ? Oui. Oui, oui. La dette de sommeil, de toute façon, ça ne se paye jamais. Ah bon ? Ça ne se rattrape pas, ça ne sert à rien de vouloir augmenter son temps de sommeil pour payer sa dette de sommeil. Au contraire, on attaque le capital de sommeil la nuit suivante. Ouais, bon. On va parler avec vous, Chantal, maintenant, qui est insomniaque et qui consomme des anxiolytiques et des hypnotiques depuis une vingtaine d'années maintenant. Quelles sont les circonstances qui vous ont amené à consommer régulièrement ces médicaments? Oui, j'ai commencé à prendre des anxiolytiques à la naissance d'une de mes filles qui est née handicapée physique. Et le médecin ou les infirmières ou la sage-femme, je ne me souviens pas très bien, pour m'aider à surmonter ce cap très difficile, m'ont donc donné mes premiers anxiolytiques. Et les médecins pensaient que c'était une solution pour accepter. Récupérer au moins, pour avoir le courage de pouvoir faire face au lendemain, quoi. Oui, pour accepter, mais en fait... C'est un piège parce que ça ne sert pas vraiment à grand-chose, sinon que je suis rentrée dans une accoutumance qui dure depuis 20 ans. Donc je suis sortie de la maternité avec l'enfant et puis une ordonnance. À l'époque, je pense qu'on pouvait avoir une ordonnance pour 1, 2 ou 3 mois d'anxiolytique. Donc j'ai continué à prendre des anxiolytiques. Comment se passent vos nuits si vous n'en prenez pas? Parce que vous essayez quand même, vous luttez. Ah oui, j'ai essayé plein de choses. Ouais. Alors, si j'en prends pas, c'est... Une douche tiède, un bol de lait chaud, qu'est-ce qu'on dit encore, docteur? Oui, ben on peut faire de la gymnastique le matin, une douche très chaude le matin. Voilà, il y en a qui disent des bains. Manger salé le matin, plutôt sucré le soir. Il y a un certain nombre de petits moyens. Il y en a d'autres comme cela encore? Il y a la relaxation, il y a l'hypnose, d'autres méthodes très importantes. J'ai essayé tout ça quand même. J'ai essayé le yoga, l'acupuncture, etc., etc. Il n'y a rien qui a fonctionné? Je pense que j'étais bien trop accoutumée parce que j'ai essayé ça il y a 5-6 ans. Je pense qu'on ne devrait jamais... Je pense d'abord qu'il est quand même indispensable à certains moments. J'ai vécu des événements par la suite aussi dramatiques. Et j'étais obligée d'assurer ma vie professionnelle, de m'occuper des 3 enfants, dont un enfant handicapé. J'avais mon mari qui était atteint d'un cancer et qu'il fallait soutenir aussi. Et il est arrivé un moment où je ne dormais plus du tout. Et là, je considère qu'il était absolument indispensable. C'est là que j'ai passé la deuxième barrière en prenant des hypnotiques.
ça donne une sorte de coma. Vous dormez 3 heures comme une masse, vous ne savez même plus. Ça repose autant qu'une vraie nuit de sommeil, ça, docteur ? Non, du tout. Les hypnotiques, c'est plus de l'ordre de l'anesthésie, finalement, que du véritable sommeil. Alors, certains sont, comme on dit au Québec, moins pires que d'autres, mais globalement, on ne peut jamais, avec les hypnotiques actuels, parler de sommeil normal, de sommeil physiologique. Mais je pense d'ailleurs que cette dame, son insomnie, elle devrait traiter la cause. Et la cause de son insomnie, ce sont les hypnotiques et les tranquillisants. Elle ne dort pas parce qu'elle prend des trucs pour dormir. Mmh. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Et après 20 ans d'accoutumance, comme c'est le cas pour madame, est-ce qu'on peut encore... Elle doit absolument quand même s'engager dans la voie du sevrage extrêmement progressif, extrêmement lent. J'allais y venir, c'est donc Vous allez essayer le sevrage ? Voilà, j'ai déjà essayé par moi-même. C'est vrai que j'ai obtenu des résultats... encourageant, je dirais, mais qui n'ont pas tenu. Mais je vais donc faire une cure de sevrage très prochainement, mais en milieu hospitalier. Mais bon, vous augmentez les doses quand vous parlez de dépendance ? Absolument. Vous augmentez les doses ? Oui. En 20 ans, j'ai triplé. Concrètement, par exemple, la nuit précédente, 2 anxiolytiques et puis 2 hypnotiques. Oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je crois que ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Il est vrai que le grand problème, c'est que la médecine française fait extrêmement confiance à la chimie, mais pas beaucoup à la physique. Or, l'insomnie doit d'abord être soignée d'une manière physique et surtout chronologique. On doit absolument restituer des rythmes corrects aux personnes qui dorment mal. Il y a beaucoup de principes d'hygiène des rythmes qui doivent être appliqués. Ensuite, je suis d'accord qu'on doit commencer par des plantes, on doit commencer par la relaxation. J'ai beaucoup travaillé sur les placebos impurs. Et c'est absolument nécessaire. Qu'est-ce que c'est qu'un placebo impur ? Un placebo impur, c'est un médicament qui n'a pas vraiment démontré son efficacité, type plante, type homéopathie, mais qui marche. Malgré tout, même s'il n'y a pas une action pharmacologique, il y a une efficacité indiscutable. D'accord. Et ce n'est pas toxique du tout. Pourquoi est-ce qu'on est le pays d'Europe qui consomme le plus d'hypnotiques ? Eh bien, moi, j'ai énormément réfléchi. Je suis pratiquement sur le point de publier un livre sur ce sujet. Je crois qu'il y a un problème vraiment de formation des médecins en France. Parce que apprend vraiment très bien la clinique. Je crois que les médecins français sont de bons cliniciens, mais que la thérapeutique est moins bien apprise. Et qu'en thérapeutique, on nous fait croire qu'il n'y a que les médicaments qui sont efficaces et le reste est souvent négligé. Et puis surtout, les médecins français sont beaucoup trop gentils. Ils ne savent pas dire non, on ne leur apprend pas à dire non. Or, on parle des arrêts de travail, tout comme ça. Oui, arrêts de travail, c'est un bon exemple, mais aussi le renouvellement. On ne prescrit pas tellement plus souvent en première intention, mais alors on renouvelle. Alors pour un tas de raisons, pour ne pas faire de peine, pour ne pas qu'ils aillent chez le voisin, pour gagner du temps, il y a une pression. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer. Il y a une pression sociale. Aussi. Et puis, on ne nous a pas appris non plus beaucoup les méthodes dont je vous parlais, la phytothérapie, l'homéopathie, la relaxation, l'hypnose, la chronothérapie, toutes ces choses-là. On va poursuivre cette conversation un peu plus tard, notamment avec ce jeune homme qui est là. Je pense qu'il faut le laisser dormir. Laisser dormir, ça ? Oui, il faut le laisser dormir. C'est dormir. Ça peut durer une minute, ça peut durer 2 heures. On va prier pour que ce soit une minute, quoi. Attends, mais peut-être que Léonore peut lui faire le bisou de la Belle au Bois Dormant, non ? Oui, c'est une très bonne idée. Léonore peut lui faire le bisou de la Belle au Bois Dormant ? Voilà. Ça va, vous souvenez où vous êtes ? C'est pas marrant. Hein ? C'est pas marrant. C'est pas marrant. C'est pas marrant, vous savez pas quoi faire. Vous vous souvenez d'où vous êtes ? Oui, ben, je vois, c'est marqué derrière. vous avez rêvé, là ? Non, je pense pas, non. Non ? Vous avez dormi combien de temps, selon vous ? Ah, je sais pas du tout. Aucune idée ? Non. 1 heure et demie.
Non. Non. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ah bon? C'est endormi il y a combien de temps? Il y a deux minutes. Là, à l'instant, là, ouais. Je le voyais, quand on discutait encore, il était là, et puis il fermait l'œil, il était là, hop, on voyait, ça commence à partir. Et là, il a des... Vous laissez dormir une minute. Ah bon, on vous aurait pas laissé dormir une heure, on vous aurait pas laissé dormir une heure. On aurait dû, je sais pas, le docteur disait peut-être qu'il faut vous laisser dormir dans ces cas-là. Si vous vous rendormez, qu'est-ce que je fais? Je vous laisse dormir ou on vous réveille? Non, mais quand même, je puisse assister à la fin de l'émission. D'accord. Donc je vous réveille dans ce cas-là. Ouais. Très bien. Ça va, Christian? Oui, ça va. Vous voulez un verre d'eau? Oui, je veux bien. Un petit verre d'eau pour Christian Valéry, s'il te plaît. On va donner la parole à quelqu'un qui a fait une expérience qui intéressera, à mon avis, tous ici, y compris les médecins, avec Pascal Barrier, qui est quelque part dans cette assemblée. Où êtes-vous, Pascal? Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir, parce que j'ai la chance déjà de vous recevoir dans une autre émission. Vous êtes spéléologue et du 22 novembre 91 au 13 mars 92, donc pendant 4 mois pleins, vous avez vécu sous terre. Dites-nous en quelques termes dans quelles conditions? C'était une expérience hors du temps, c'est-à-dire sans repère cosmique ni social, sans montre, sans l'alternance jour et nuit. Donc lorsqu'on se trouve hors du temps, le biorhythme change. C'est-à-dire qu'on... Enfin, des horloges internes qui sont organisées, hiérarchisées... Se règlent d'une manière différente, quoi. Nous fait glisser les 24 heures que l'on a à surface à 25 heures. Je comprends pas ça. On va déjà expliquer, je n'ai toujours pas compris. Je vais essayer de le refaire. Une journée, l'alternance jour-nuit. Oui. Donc on a un nerf optique qui nous endort en quelque sorte. Et sans repère de lumière, d'autres horloges internes du corps prennent la relève. Et donc elles sont multiples, elles sont organisées. Elles font décaler un cycle de 24 heures à 25 heures. 25 heures qui est une moyenne. Vous comprenez, vous? Vous comprenez? Pas clair. Pas clair pour vous? Pas clair. Vous, oui. Expliquez, monsieur, parce que moi, je ne vais pas comprendre. Dans tout le monde, là? Oui, oui. Ouais, c'est chaud. Ouais. Et ben, ça serait peut-être de demander à un spécialiste. Ouais, peut-être. Ouais, voilà. Non, c'est pour tout le monde s'exprime. Allez-y. C'est assez simple. On a deux façons d'avoir des rythmes. On a des horloges dans le cerveau qui font tic-tac, jour-nuit, jour-nuit. Et puis on a un horloger qui nous remet à l'heure tous les jours qui s'appelle le soleil. Ah, mais j'avais bien compris. Donc si vous êtes sans stimulation lumineuse, la tendance naturelle de l'homme, c'est de se mettre sur un rythme de 25 heures. Mais tous les jours, on a ce grand horloger qui nous remet à l'heure et qui nous permet d'être 24, sur 24 heures. Ouais, donc lui, comme il était hors du temps, à la suite de Michel Siffre et de tous les gens qui ont initié ces expériences, eh bien, il perd le repère de 24 heures, il vient sur 25 heures, et certains arrivent à vivre sur 48 heures. Et là, c'est étonnant de vivre sur 48 heures, parce que les nuits font 16 heures, les jours font 22 heures, si je ne me trompe pas, et on voit des gens, par exemple, qui fument un paquet de cigarettes par jour, qui en fumeront simplement un sur deux jours en étant persuadés de fumer autant que d'habitude. Ah ouais. Alors vraiment, on se dérègle complètement, quoi. Qu'est-ce que vous souhaitez, pardon? Ce que je voulais dire, c'est que 24 heures passées à 25, ça paraît rien. Mais si, par exemple, au premier cycle, je me suis endormi à 23 heures, le cycle d'après, c'est 24. Et d'ici qu'après, ça sera 10 heures du matin. Vous nous direz comment ça s'est passé? Parce qu'après, les pompiers qui vous suivaient de près à l'extérieur vous ont montré, vous avez été surpris en sortant à la Voilà, c'est-à-dire que bon... On a quelques images, vous voulez commenter avec nous et puis après, vous nous direz exactement comment ça s'est passé, on y va. Donc là, a priori, je révise mon VTT pour aller faire un petit tour dans la grotte. C'était la grotte de la Cocalière qui se trouve dans le Gard. Elle fait à peu près 20 km. Mais c'est un tout petit peu la lumière, s'il vous plaît, sur le plateau. Merci. Oui. Voilà donc un parcours, j'avais beaucoup d'activités, jeux d'échecs, canoë et kayak, j'avais beaucoup de lectures. Là on me voit remonter un puits, donc sur corde fixe, là en train de prendre un repas. Ça a duré 4 mois. Là je pars faire mon footing. Donc j'ai essayé de... Vous courriez combien de temps? Vous courriez combien de temps en moyenne? À peu près 10 km par jour. C'est ça. Je savais bien que vous ne pouvez pas me répondre en termes de temps, c'est une question piège. Oui. Mais généralement, je mets une heure pour faire 10 km en moyenne. Vous ne pouvez pas savoir si vous avez couru plus vite ou moins vite? Là, c'est ma salle de bain. Donc, l'eau était à peu près à 6 degrés. Grande baignoire. Oui. Là, donc, un matelas avec un duvet. Alors, c'est pas la collection à l'occurrence, ce que vous lisez. Alors, au niveau des nuits, la moyenne était à peu près de 10 heures. Et la plus grande nuit était de 23 heures. Donc, comme je n'avais pas d'horloge, quelquefois, je me réveillais, je ne sais pas si j'avais dormi une nuit ou une sieste.
C'est-à-dire que j'ai fait des siestes en pensant que c'était des nuits et je suis reparti, petit déjeuner, puis en avant, sans problème. Alors, racontez-nous en gros, quelles ont été vos nuits pendant ces 4 mois, une fois que vous l'avez su par la suite. Les cours, vous ne saviez pas au fur et à mesure. Non, je non, suis vous simplement au bout de 4 mois. Au bout de 4 mois, je suis sorti, on m'a resynchronisé. Les plus grandes surprises que vous avez eues c'est de savoir que j'ai fait une nuit de 23 heures. C'est-à-dire qu'au-dessus, tout le monde le savait, tout le monde paniquait, et puis moi, en bas, je dormais. Ce serait pour vous la vie idéale, de pouvoir vivre comme ça, à l'écoute de son corps? Pas dans une grotte, mais malheureusement, c'est pas possible. De pouvoir maîtriser son rythme, finalement, de pouvoir se laisser aller à son rythme. On va en parler avec vous, Alban. Vous avez 17 ans, vous avez du mal à trouver le sommeil depuis tout petit. Ça s'est vraiment officialisé, si je peux dire, depuis l'âge de 5 ans. Ça fait donc 12 ans de ça maintenant. Vers quelle heure vous endormez habituellement? Approximativement 4 heures du matin. Pourquoi pas plus tôt et pourquoi pas plus tard? Ce qu'on m'a expliqué, c'est un... c'était quoi le terme? Une phase, un retard de phase caractéristique. Et en fait, pour me soigner, il suffirait que j'entreprends ce qu'a fait. Donc, je suis désolé, je ne me rappelle plus votre prénom. Pascal. En fait, il a entamé, sans le savoir, ce qu'il me faudrait, une chronothérapie. C'est-à-dire qu'il faudrait que je décale, par exemple, le deuxième soir, m'endormir à 5 heures du matin, me lever pareil, une heure plus tard, ainsi de suite, jusqu'à 6 heures du matin, 7 heures du matin, 8 heures du matin. C'est ce que va dire le médecin qu'on entend dans le reportage, À 22 heures. En fait, quand vous dites qu'il faut se lever tous les jours, n'importe quelle heure qu'on se couche, à une heure précise. Moi, je me couche à 4 heures du matin, je me lève à 6 heures et demie. Pour vous, si je me lève à 6 heures et demie tous les matins, c'est la forme, tranquille. C'est faux. Si. Je me réveille, je suis blindé, quoi. Il me faut 3 heures pour me lever, non. J'arrive en classe. Non. Comme ça... Non, je pense que c'est une erreur. Le fait de se réveiller tôt crée une dette de sommeil suffisante pour que le lendemain ou le surlendemain soir, on se couche tôt. Mais s'il avait envie d'accepter de se coucher plus tôt lorsqu'on lui crée une dette de sommeil en le levant plus tôt, en fait, il s'endormirait. D'ailleurs, je crois que très souvent, les personnes qui ont ce type de problème, lorsqu'on les enregistre dans le service, comme ils sont confinés au lit avec des fils partout et qu'ils ne peuvent pas se lever, ils s'endorment. Et c'est ce qui s'est passé pour... Oui. On va le voir. Comme vous le savez, donc, Alban, il existe en fait des solutions au problème que vous avez, qui est un problème assez fréquent. Vous avez accepté de suivre toute une nuit ce test du sommeil dont parlait le docteur. On va le voir dans ce reportage de Christian Catala avec Léa Lemossoff. Voici donc ce reportage pour mieux comprendre ce dont vous souffrez, qui est somme toute relativement courant. Le courant. Voilà. En fait, je m'endors quand je tombe de sommeil, qui est souvent approximativement entre 3 et 4 heures du matin chaque nuit. Les problèmes de sommeil, Alban les connaît presque tous. Tout petit, il était somnambule et souffrait de terreurs nocturnes. Il est aujourd'hui insomniaque. Et pour l'instant, rien, pas même le karaté, ne le fatigue. Ça crève sur le moment, mais pas assez pour m'endormir le soir. Dumb and Dumber, et après tu mets It, si tu veux, parce que moi, qui veut Dumb and Dumber? Après. Non, après quoi? Ça, c'est ma petite collection de vidéos, et c'est aussi en quelque sorte mon vidéoclub de la nuit, on va dire. Le soir, on vient taper dedans pour faire durer la nuit, quoi, pour pas trop s'ennuyer. À partir de 21h à 22h, en moyenne, je regarde 3 films tous les soirs. Ça a tout à été normal pour moi qui dorme pas, quoi, mais... Ouais, par rapport à quelqu'un d'autre, je crois qu'il est malade, je crois. Il y a 3 semaines, à 6h du matin, il était en train de faire le grand écart. T'es fou. Il est malade. Mais c'est un plus d'avoir un copain insomniaque ou pas? C'est plutôt bien ou c'est plutôt pas bien? Si, c'est bien. Parce que quand on va dans des soirées, on a envie de dormir. Lui, comme il a tout le temps la pêche, eh ben, on a la pêche avec lui. Pose pas en plan. Alors ça, c'est cool. En fait, je vois pas ce qu'il y a du mal. Pour moi, c'est un gagne-temps. Bon, pour des personnes comme eux, ça peut être pratique comme ça peut être déplaisant quand ils veulent se coucher. Pour ma mère, ça lui pose souci. Pour... ça dépend. Il y a beaucoup d'avantages et il y a aussi beaucoup d'inconvénients pour les personnes qui m'entourent. Françoise a élevé Alban toute seule. Elle a tout essayé pour régler le problème de son fils, en vain. Si ça m'a posé des problèmes? Oui, ça m'a posé des problèmes, bien sûr. Des problèmes parce que j'étais un petit peu culpabilisée par les médecins qui disaient que c'est parce que c'était moi qui étais angoissée que ça crée des ondes négatives et que c'était ça qui posait un problème et qui peut-être l'empêchait de dormir. Et puis par un manque de sommeil, je pense que pour moi aussi, j'ai pas toujours peut-être été opérationnelle autant que j'aurais pu l'être dans ma vie professionnelle.
on se coupe un petit peu du côté social parce qu'on est tellement fatigué que bon, ben, on n'a plus tellement envie de faire de choses à côté, et d'aller faire un ciné, d'aller... Je me disais, si après tout ce soir-là, c'est un soir où il va dormir, eh bien autant dormir, quoi. Mais c'est vrai que des fois, je l'en ai vraiment voulu. J'avais l'impression qu'il abusait, qu'il en profitait. Alban, aujourd'hui, a abandonné l'école pour tenter une carrière de comédien. Le manque de sommeil est-il responsable de son échec scolaire? Dans la famille, les avis sont partagés. Ta maman, par exemple, pense que tes problèmes scolaires sont peut-être dus à ça. Bon, on va dire si pour la faire plus. Non, c'est vrai que mon manque de sommeil n'a pas aidé dans ma vie scolaire. Moi, je pense que si, c'est vrai que ça a beaucoup joué. Je pense que s'il y avait... On a eu quand même beaucoup d'enseignants qui disaient que le matin, tu dormais en classe. Mmh, et ça. Que si tu n'avais pas dormi, tu aurais eu plus de concentration et peut-être moins de problèmes scolaires. Du moment où tu ne t'intéresses pas à la vie scolaire, que tu dormes ou que tu ne dormes pas, tu ne t'y intéresses pas. Hein. J'ai essayé plusieurs fois de rencontrer les enseignants. Hein. Disons que... C'était quand même souvent des remarques assez acides par rapport à ça, parce que je pense qu'ils ne mettaient pas ça sur un compte de manque de sommeil. Je pense qu'ils pensaient plus à la drogue qu'au manque de sommeil. Je pense que les nuits où tu as dormi, quand ça t'arrive quand même de temps en temps, quand le corps n'en peut plus et que tu t'effondres, le lendemain, tu es différent. Moi, je suis encore plus agressif. Non. Si, 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 quand j'ai trop dormi, je suis pas bien et tout... Moi, je pense qu'il fait un refus de dormir, c'est vrai. Un refus. J'ai toujours eu le sentiment qu'il faisait quand même un refus de sommeil, un refus de dormir. Il ne voulait pas dormir. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a fait un refus de sommeil, comme s'il ne voulait pas rentrer dans le sommeil. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est dans sa tête? Oui. Ça, j'arrive pas à rentrer dedans. C'est moi qui l'ai faite, mais c'est tout. J'ai fait ce que j'ai pu. Pour tenter de savoir ce qu'Alban a dans la tête, nous lui avons demandé de dormir dans ce centre d'études du sommeil. Le but de ce genre d'établissement qui existe un peu partout en France est d'enregistrer toute une nuit les informations transmises par le cerveau à un ordinateur. Non, mais tu penches pas la tête, hein. Tu as tout ça pour bouger, quoi. Okay. Tu peux te retourner d'un côté et de l'autre. Bon, par contre, tu fais pas des tours sur toi-même très souvent. Parce que... Okay, okay. À ton avis, là il est 9h30, à ton avis, tu vas t'endormir à quelle heure? N'ayant pas la télé, étant sur un lit 2h, approximativement. Du matin? Ouais. Ou peut-être plus. Pourtant, moins de 2 heures après cet entretien, Alban est déjà dans les bras de Morphée. Mais en sommeil lent profond. 23h10, il s'est endormi en 15 minutes. C'est pas vraiment insomniaque, ça. Non. Mais Baya, il avait sommeil, mais lui, il voulait pas dormir, par contre. Bonjour, Alban. Bonjour. Alors, on va arrêter, là. Hein? Je vais débrancher. Comment s'est passée la nuit, Alban? Très bien. Très bien, tu as bien dormi, là. T'as récupéré? Ce qu'on peut dire, c'est que le tracé de sommeil est un tracé normal. La qualité du sommeil est normale. L'architecture du sommeil est normale. Et exceptionnellement, au laboratoire, parce que le milieu est peut-être plus rassurant, peut-être plus contraignant, je ne sais pas, il s'est endormi avant 2h du matin. Toute la nuit, ces appareils ont mesuré la qualité du sommeil d'Alban, les phases de repos, s'il rêve ou s'il se réveille. Ce système enregistre tout et parfois, pour les cas les plus lourds, on filme les nuits de certains patients. Cet homme, par exemple, est atteint de rythmie. Et cette femme, de somniloquie. Le cas d'Alban n'est ni rare ni grave. Il s'agit d'un retard de phase du sommeil, une sorte de décalage horaire permanent fréquent durant l'adolescence. Ce sont des pathologies qui relèvent de thérapeutiques comme la chronothérapie. Hein, c'est-à-dire on va repousser l'heure d'endormissement sur une semaine pour leur permettre de se resynchroniser. Pour lui, on va lui demander de la première nuit d'aller se coucher à 6h du matin, par exemple.
La deuxième nuit à 8h, puis 10h du matin. On va repousser constamment pour arriver à des heures à peu près cohérentes de sommeil qui vont être 22h, par exemple. Voilà. Tu serais d'accord pour essayer, toi, la chronothérapie ? Ben, pas pour l'instant, en tout cas. Pourquoi ? Ben, j'essaierai quand ça sera pour ma vie sociale. Mon endormissement retardé, ça sera négatif. Quand ça me sera imposé, j'entreprendrai de faire cette chronothérapie. Mais pour l'instant, j'en vois pas trop l'utilisation. Mais ça me servira ultérieurement. Voilà donc, ce reportage, on a l'impression que vous refusez de dormir en fait. Vous refusez de dormir comme tout le monde, quoi. C'est une espèce de... Enfin, je sais pas, c'est une impression que j'ai comme ça. Qui suis-je pour juger ? Mais j'ai l'impression que vous, c'est comme une envie de se marginaliser ou de... Non, pas du tout. Non, pas du tout, ça... Pour me marginaliser, je ferais ça plus intelligemment, je sais pas, parce que... Pour l'instant, pour me marginaliser, c'est pour tout le monde. Là, pour l'instant, je fais chier que ma mère. Voilà, on se comprend. J'ennuie que ma mère. Oui. Les copains, ils l'ont dit, pour les soirées, c'est terrible. Oui. Est-ce que, comme certains psys qu'on a entendus, vous pensez que le comportement de votre mère a pu avoir une influence sur votre sommeil ? Pas du tout. Pas du tout. Elle y est pour rien ? Rien du tout. Dites, c'est pour faire chier ou ça fait chier ? Non, disons que ça l'ennuie. Oui. Ça l'ennuie parce que... C'est pour l'ennuyer ou c'est ça l'ennui en passant ? Non, c'est ça l'ennui. Ça l'ennui que son fils, il a 5 ans, il ne s'endort pas avant le perpète les bains. Oui. Elle se fait du souci, c'est normal. Oui. Elle ne comprend pas pourquoi elle s'endormirait avant son fils et c'est vrai que ça l'a fait cogiter pas mal de temps. Et vous, madame, vous en pensez quoi ? Vous avez un micro ? Qui empêche l'autre de dormir ? Qui empêche l'autre de dormir ? Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de toute façon depuis qu'Alban est petit, hein, de toute façon avec ses problèmes de sommeil. Et moi, ça me crée un tas de soucis de toute façon, et sur ma vie privée et sur ma vie professionnelle. Lui ne s'en rend pas compte parce que lui, en effet, ne dort pas et occupe ses nuits. Mais je pense que son entourage en pâtit quand même. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à dormir quand il ne dort pas ? Disons, quand il était petit, moi, ça me créait beaucoup de soucis parce que comme il était somnambule, bon, je le retrouvais un petit peu partout, endormi sous la table du salon. Je le retrouvais une fois dans l'ascenseur, je le retrouvais dans les couleurs de l'immeuble. Et j'avais toujours cette anxiété qu'il se lève la nuit et qu'il sorte ou qu'il fasse quelque chose. Donc j'ai perdu le sommeil, je pense, à ce moment-là. Et maintenant qu'il est plus grand, et c'est vrai qu'il gère ses nuits différemment, c'est-à-dire qu'il se balade, qu'il va manger, qu'il regarde des cassettes toute la nuit, qu'il sort voir ses copains, qu'il va faire du vélo ou... Karaté à 3h du matin. Ou faire de l'entraînement. Moi, je pense que maintenant, j'ai perdu aussi le sommeil. Le somnambulisme en particulier, madame, ça s'est arrêté à quel âge, chez Alban ? Quand ces problèmes ont commencé ou... Je parle du somnambulisme. Le somnambulisme s'est arrêté vers l'adolescence, quand il a eu 15 ans, 15-16 ans. Vraiment, là, ça s'est arrêté. Aussi tard ? Oh oui, tant que ça, oui. Mais il a été surtout, avec des phases très très fréquentes quand il était tout petit, jusqu'à 7 ou 8 ans. Ouais. Mais vraiment, c'était plusieurs fois par semaine. Hein. Ah oui, d'accord. Donc je l'ai retrouvé vraiment, mais des... Je dis pas tout. Oui, non, je dis pas tout. Tu peux quand même. Bon, un petit peu, un petit peu, mais quand il était petit, il était petit. Oh, je peux dire, parce que c'est vraiment un truc, c'était super sympa. Un soir, genre... quand même. Ouais. Pas, j'entends du bruit dans l'appartement, donc je me lève, je vais voir, il n'était pas dans sa chambre. Et Alban était tout petit à l'époque, il s'est élevé, il s'est installé sur le canapé du salon, les pieds posés sur la table du salon, il s'est amené un plateau avec un verre de lait et il regardait une émission de nuit à la télévision. Mais il dormait ? Qui n'était pas une émission, disons, recommandée pour un enfant. Oh. Ouais, c'est bon. Mais il dormait ? Non, tout à fait éveillé. Oh, on parle du somnambulisme, là. Oui. Quand je dors, mais là, il était éveillé. Dormir. Il était éveillé, mais à je pense ans, qu'il avait commencé, il avait commencé à se lever dans la nuit, à aller faire sa petite balade qu'il faisait habituellement, puis qu'à la fin, il a dû systématiquement appuyer sur le boîtier de télévision qui s'est très bien manipulé, hein, et celui du magnétoscope aussi. Quel âge avait-il, là ? Et que j'ai retrouvé donc devant la télé. Quel âge avait-il, là ? Bon, il devait avoir à peu près 4 ans. Ça va. À parlant du somnambulisme des petits comparé au somnambulisme des grands, on dit que souvent chez les somnambules, vous étiez somnambule quand vous étiez petite ? Oui. Aussi, oui. On dit que normalement ça s'arrête quoi, au début de l'adolescence ? Oui, la plupart du temps, en effet, entre 10, 12, 13, 14 ans, ça s'arrête définitivement. Mais en effet, il y a des adultes qui peuvent continuer à être somnambules. Pas de bol.
Pas de bol, mais c'est vraiment rare. C'est un somnambulisme différent, celui des enfants et celui non, des parents? Non, non, pas réellement. Non, non, c'est... Il faut bien comprendre que le somnambulisme n'a rien à voir avec le rêve ou le sommeil paradoxal. Vous avez eu des crises de somnambulisme qui ont démarré tôt, assez jeunes aussi, d'après ce que vos parents vous ont raconté? Qui ont démarré à l'âge de 3-4 ans. Oui. Tout d'abord en me levant, tout simplement, déambulant dans ma chambre ou en retirant ce qu'il y avait dans les tiroirs d'une commode. Ou bien en me réveillant couché par terre. Donc ça, c'était petite, de 3 ans. Et puis vers 6-7 ans, on habitait une grande maison divisée en deux appartements. Et je vivais avec ma maman. Et au rez-de-chaussée, il y avait une dame d'un certain âge qui vivait seule. Et une nuit, je suis descendue dans sa cuisine. Elle regardait la télévision dans son salon. J'ai pris tous des ustensiles de cuisine. Et je suis arrivée en courant, en agitant les ustensiles de cuisine dans tous les sens, en disant « Attention, attention, les Indiens sont là, etc. » Je lui ai tapé sur la tête, je lui ai balancé tous les ustensiles de cuisine dans son salon et je me suis affalée dans un canapé. Et quand maman est rentrée après sa soirée, elle ne m'a pas trouvée dans ma chambre. Et elle m'a trouvée dans le salon de cette dame et je m'étais endormie. Et elle paniquait, tétanisée. Elle attendait qu'une chose, c'est qu'on vienne me chercher. Et vous avez quand même cogné la voisine, quoi. Alors, je ne sais pas si l'inconscient a parlé dans ce cas-là, mais... Non, je ne pense pas, mais c'est vrai qu'on ne gère pas ses mouvements. Ouais. Donc, par la suite, c'est vrai que c'est devenu un peu plus grave. C'est-à-dire ? À l'adolescence, j'ai peu de souvenirs à l'adolescence, et c'est revenu très très fort à l'âge de 20 ans, quand j'ai connu Bertrand. Ah. Ça va bientôt être de ma faute. C'est ça, oui. Non, mais elle a bien amené la chose. C'est correctement amené. Non, quand j'ai peu de souvenirs, ça, vous avez des souvenirs de réveil après une crise de somnambulisme, par exemple? Oui, parce que mes parents me remettaient dans ma chambre, etc., parce que j'arrivais en courant dans leur chambre la veille d'un examen. J'ouvrais la porte et je leur disais, ça fait combien encore? Ils me disaient, bon, allez, tu retournes dans ton lit, tu vas te coucher. Bon, et je retournais me coucher. Mais ça fait combien encore, c'est-à-dire? Combien de temps encore avant de se lever? Non, non, sans doute des mathématiques que j'avais dû réviser le soir même, et puis pour un examen le lendemain. Ça vous habitait l'esprit, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, en effet, à 20 ans, là, ça s'est vraiment aggravé. Actuellement, je peux me retrouver dans la douche, je peux me retrouver dans la baignoire. C'est toujours moins grave que d'assassiner la voisine, hein, quand même. C'est toujours moins grave. Il n'y a plus de voisine. Il n'y a plus de voisine, c'est ça. Il y a un voisin maintenant, pardonnez-moi, un mari. Et c'est vrai que maintenant, dans notre vie de tous les jours, depuis l'année dernière, il a fallu que je me soigne parce que c'était insupportable. Qu'est-ce qui était insupportable? Là, ça fait quoi, 10 ans qu'on est ensemble. J'ai commencé d'abord la première nuit où on s'est rencontrés par lui donner un avant-goût. La première nuit, c'est pas mal parce qu'en fait, on dormait dans une chambre où il n'y a donc strictement rien. Et puis, je dormais sur le ventre et d'un seul coup, j'entends « Attention, attention, l'armoire va tomber !» Alors, je me recroqueville comme ça. Je me fais « Mais il n'y a pas d'armoire dans cette chambre !» Et ça a commencé comme ça. Et alors, donc, elle avait attrapé un cadre qui était juste au-dessus de notre tête et puis était tombée en arrière. Et puis, au bout d'un quart d'heure, j'ai senti ses doigts de pied au bout de mon nez. Donc, on était tête bêche. Voilà. Donc ça, c'était la première nuit. C'était la première fois. Et puis actuellement, on dort dans une chambre. Vous êtes inquiété ou pas? Oui, forcément. La première fois, je me suis dit quand même. En plus, c'était la première nuit qu'on passait ensemble. Donc c'était un peu spécial. Vous avez dit, je lui ai fait un truc, je lui ai fait un effet pas possible. C'est juste qu'elle fait. Je lui ai raconté le lendemain parce qu'en fait, elle s'en souvenait plus et elle s'en souvient jamais. J'ai tout essayé. En fait, on m'a dit, il y a 3 ans, vous avez une tumeur cérébrale. On m'a fait IRM et tout le bazar. Ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont dit, vous êtes épileptique. Jamais fait d'épilepsie de ma vie. J'ai décidé d'essayer l'hypnose. Et donc, depuis un an, ça va beaucoup mieux. Ça marche bien l'hypnose sur vous? Oui, très. Seulement, j'ai eu un bébé il y a 2 mois. Donc, je n'ai plus trop suivi le traitement. Donc, ça reprend là depuis 1 mois. Là, vous n'avez pas peur pour le bébé? Si, parce que pour le moment, je le mets dans un couffin à côté de moi. Et la première nuit où je suis rentrée de maternité, j'ai sauté sur le couffin. Mais heureusement, j'ai sauté à côté. Mais j'aurais pu sauter sur le couffin. La deuxième nuit, il m'a réveillée. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais assise sur le lit. Je lui ai dit, je berce Elliot. Elle berçait un pull. Ah non, fallait pas rire, c'est pas drôle. Elle berçait un pull.
Ce qui fait que même moi, ça m'a angoissé. Je me suis réveillé, je me dis, mais c'est pas mon fils, c'est un pull. Mon fils est un pull. Bon, je sais bien qu'on travaille dans le prêt-à-porter, c'est pas une raison. Quand même. Mais et après, j'ai essayé un petit peu de la réveiller, et puis elle a rejeté le pull, et puis elle a cherché son fils partout, et puis on l'a trouvé quand même. Oui, il était dans le couffin. En fait. Il était dans le couffin. C'est intéressant ce que vous avez dit. Vous dites, j'ai essayé de la réveiller, etc. On peut réveiller les somnambules, là ? Oui, il y a une légende. Ah oui, ce qu'on dit qu'il ne faut pas normalement. Oui, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment un somnambulisme authentique dont vous souffrez, parce que apparemment vous avez des représentations, vous pouvez parler, il y a des moments d'angoisse, vous vous sauvez, vous sautez hors du lit. C'est pas très somnambulique. Le somnambulisme, c'est beaucoup plus ce que Alban décrivait tout à l'heure quand il était petit, c'est-à-dire une déambulation où il n'y a aucune représentation. Si on le réveille, il se demande ce qu'il fait là, mais il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Le seul problème du somnambulisme, finalement, c'est lorsqu'il y a un risque de tomber par la fenêtre ou de se blesser. Voilà. Mais ce qu'on raconte sur les somnambules qui marchent sur des gouttières, etc., oui, ça existe. Ben oui, si la fenêtre n'est pas fermée, les somnambules peuvent partir n'importe où. Avec un équilibre qui est plus fort, enfin avec la peur en moins en tout cas, qui fait qu'ils ne tombent pas. Oh si, ils peuvent tomber. Ah si, ils peuvent tomber, ouais. Ouais, d'accord. Mais moi, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me soigner. Oui. C'est qu'une nuit, je me suis réveillée, j'avais ouvert le Velux et j'étais persuadée qu'il y avait des bébés coincés dans le Velux. Oui. Et donc je me suis dit, oh là là, là maintenant ça devient très grave parce que j'ouvre les portes, j'ouvre les fenêtres. Mais là vous avez manifestement une sorte de rêve, vous avez une représentation pendant, et vous vous en souvenez un peu après, vous vous rappelez que vous avez vu les bébés dans le Velux. Donc c'est pour ça que je conteste un peu le diagnostic de somnambulisme. Il doit y avoir les deux. Hein. Il m'arrive. Alors je pense qu'elle a les deux phénomènes. Quand elle était petite, c'était sûrement du somnambulisme, mais il me semble qu'il y a les deux choses. Lorsque vous parlez, par exemple, en dormant, c'est pas du somnambulisme. Vous parlez en dormant ? Oui. Oui. D'ailleurs, il en a profité il y a un an. Oui, je me suis dit, je vais lui poser quelques questions parce que j'ai un peu tout essayé. Ouais. Parfois, je me mettais en rogne, mais vraiment en rogne. Ouais. Bon, j'ai essayé une fois, ça ne m'a pas vraiment réussi. Donc, c'est-à-dire que j'ai tellement crié. Mais qu'est-ce que tu disais, par exemple? Non, elle n'a rien dit là, ce jour-là, mais elle m'a réveillé trois fois de suite. Et à chaque fois, au moment où je commençais à me rendormir, enfin, au moment où j'étais bien dans mon sommeil profond. Quoi. Donc, une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, j'ai explosé. Quoi. Et je l'ai vraiment engueulé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle n'arrivait plus à parler. Je sais plus où je suis. Elle pleurait et ça a duré pendant 2-3 minutes. Je n'arrivais pas à la réveiller et elle continuait à pleurer. D'accord. Donc ça, c'était pas drôle. Qu'est-ce qu'elle dit sinon habituellement ? De quoi elle peut parler par exemple ? De tout. On a eu une discussion professionnelle dans une nuit entière. Mais cohérente, deux, trois fois. Cohérente la conversation ? Cohérent et tout. On en discute le lendemain. Vous êtes sûr qu'elle dort ? Le lendemain, je suis incapable de vous dire ce dont on a parlé. Vous prenez pas de médicaments ? Rien. Pas de drogue américaine qu'on connaît pas ? Rien. Des classiques. Non, rien. Et donc, il y a un an, il m'a demandé qui j'aimais vraiment. Non, allez, attendez, il va nous raconter ça dès le départ, on va rigoler là. Donc, j'ai tout essayé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des nuits où je ne fais strictement rien. J'y allais, c'est ça, cool. Rendors-toi, sois cool. Et qu'est-ce qu'elle vous répond si vous dites rendors-toi alors qu'elle dort ? Elle se rendort, elle est assez calme. Vous pouvez réussir à la diriger oui, plus oui, ou moins ? Oui, je crois. Ouais. Si il suffit d'être assez calme, ça marche très bien. Si vous énervez, elle pleure ? Je ne l'ai fait qu'une fois, je ne le ferai plus. D'accord. Et une fois, je me suis dit, mais qui tu aimes vraiment en fait, au fond de toi ? J'ai posé la question, elle ne répondait pas trop, je ne sais pas. Je dis, mais qui tu aimes vraiment, je répète. Il fait, mon bébé. Mon bébé, c'est moi, en fait. Hein. Elle a eu chaud. Elle a eu chaud. Par contre, ce qui est... Par contre, ce qui est très louche, c'est qu'elle ne m'appelle jamais comme ça. Donc, vous vous appelez Bertrand. Oui, bon, c'est mon surnom, un petit peu tout le monde m'appelle Bébert, mais jamais elle. Ah bon ? Jamais. Ah non. Donc il y a un problème. Elle a dû mentir. Elle a dû mentir. Je reposerai la question une autre fois. Elle va vous dire mon trentran, là, vous dire. Voilà, oui, ça se dit aussi ça, tiens. Ouais. Mais si vous étiez content, Bertrand, la soirée. Ah, j'étais rassuré, oui. Dit, bon, ben, ça c'est déjà ça. Ça c'est déjà, déjà on a un acquis. Là. Oui, pour quelques. Et toi, qu'elle nous a dit ça, vous avez fait quoi ? Vous l'avez embrassé, je suis sûr. Ah non, pas du tout. De toute façon, les trois quarts du temps, je suis complètement dans le gaz. Il faut quand même se mettre à ma place aussi. C'est vrai que. Mais vous pouvez lui faire dire des trucs vrais, vous pensez ?
Enfin, vous pouvez la mettre dans une situation où elle ne peut pas mentir. Vous ne voulez pas trop lui dire, parce que ça ne peut pas. Non, mais j'ai, bon, j'ai pas trop testé quand même. Hein, j'ai fait une fois comme ça. Bon. Qui dit ? Qui dit ? Qui dit, oui. Non, non, mais j'ai pas trop testé. Mais il y a des trucs qui sont quand même beaucoup plus graves. Quoi. C'est quand elle s'en va en courant, parce qu'on a une chambre assez longue, parce que bon, c'est une soupente, on est sous les toits, et on a des poutres régulières tous les 10 mètres. Ouais, faut pas toucher, quoi. Bah, elle les a touchées, hein. Donc, je l'ai entendu une fois partir en courant à fond la caisse et boum. Et j'ai entendu blah. Bon. Alors, je me dis, merde, tu vas finir par abîmer les poutres. C'est pas bien d'abîmer le matériel comme ça. Il va bien. Ça va la tête sinon. Je m'endors, écoutez. Je m'endors sous la poutre. Ouais. Et c'est reparti pour. À un moment, j'ai eu l'idée, je me suis dit, je vais mettre un petit tapis parce que parfois je la retrouve endormie quelque part. Ouais, mais je sais pas où le mettre. Parce qu'elle dort un peu. Sans entrer dans des pratiques que vous pourriez considérer comme étant sexuelles, et c'est pas du tout là où je vais en venir, pourquoi vous l'attachez pas? On y a pensé. Ouais. Ah oui, on a vécu 10 jours noirs, quoi. Où là, j'ai changé de chambre. 10 jours noirs. À 10 jours. On a fait chambre à part parce pendant 10 jours, c'était impossible. Je veux dire, au bout de 10 jours, on a fait chambre à part. Pourquoi? Parce que en pleine nuit, je lui ai sauté à pieds joints sur la colonne vertébrale. Ça encore, ça abîme le matériel. C'est comme les poutres. Hein. Ça doit faire bizarre de se faire réveiller comme ça. Je suis gaulé, mais quand même, quoi. Non, c'est pas. Non, franchement, là, on a eu peur. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à imaginer un traitement. Oui. C'est vrai que ce qui est très étrange, c'est que parfois je m'en souviens, et puis par moments, quand je l'entends me hurler, reviens te coucher. J'ai l'impression de vivre avec une dingue, reviens me coucher. Ça, c'est une autre version, ça. Eh bien, je finis par lui dire, mais je ne suis pas somnambule, je ne suis pas somnambule, et je retourne me coucher. Alors que vous dormez quand même. Ah oui, oui, oui. Ah oui, elle est somnambule, elle dit, je ne suis pas somnambule. Oui, tout à l'heure, on a parlé... Vous ne dormez pas, vous êtes toujours avec nous. On a un peu parlé de ce qui peut passer pendant le rêve, mais c'est autre chose, c'est une forme, finalement, d'agissement de son propre rêve. Donc, au lieu d'être paralysé pendant le sommeil paradoxal, apparemment, dans certaines circonstances, vous pouvez agir le rêve. Donc, ça peut être agressif, ça peut être tout à fait autre. On peut tout imaginer comme scénario de rêve. Mais, j'insiste, ce n'est pas exactement que du somnambulisme. On va passer à une autre forme de somnambulisme ou rêve éveillé ou rêve agressif avec Sonia Belan et son mari qui sont dans le public. Où êtes-vous, mesdames, messieurs? Bonsoir, Sonia, votre mari a été récemment pris d'une crise de somnambulisme que l'on appelle le somnambulisme hétéro-agressif. Comment s'est déroulée cette nuit de crise? Est-ce que peut-être votre épouse peut nous raconter, ensuite je donnerai la parole si vous voulez, Pascal. Ça s'est déroulé en janvier 97. Il était fatigué, il était parti se coucher de plus bonne heure. Et tout à coup, j'ai entendu un grand bruit, la porte du salon s'est ouverte avec fracas. J'ai vu mon mari débouler dans le salon, en grommelant et en faisant des grands gestes avec les bras. Je me suis approchée et là, il m'a jetée. J'ai heurté la cheminée avec ma tête. Quoi. Je suis restée donc inconsciente pendant une vingtaine de minutes. Quand je me suis réveillée, enfin, bon, il n'était plus là. J'avais ce vague souvenir de mon mari me frappant comme ça, enfin, me bousculant, mais bon, pour moi, c'était pas possible. C'était un cauchemar. Je me suis dit, j'ai dû me glisser, me taper la tête, et puis, j'ai dû rêver ça. Je suis repartie, je suis repartie me coucher, bon, j'ai mis de la glace sur la bosse, et puis je suis partie me coucher. Ouais. Et c'est le lendemain matin, mon mari est parti au travail, il m'a laissé dormir, et il me téléphone dans la matinée pour me demander si j'avais pris le pain. Alors moi, je tombais des nues. Tu avais pris un pain, vous voulez dire ou... Non, si j'avais pris, si j'avais acheté le pain. Celui du boulanger. Celui du boulanger, oui. Alors je lui dis, mais tu te souviens pas de ce qui s'est passé hier soir? Il me dit non. Bon, parce que moi, le matin, entre-temps, en m'habillant, je m'étais aperçue que j'étais couverte de bleu par la suite, que mon pyjama avait été arraché. Donc c'est là que je me suis rendu compte que véritablement, il s'était passé plus qu'un rêve. Ça, c'était pas un rêve. Je n'avais pas pu me faire ça toute seule. Vous en avez parlé à votre agresseur, à votre mari, je veux dire? Le soir, quand il est rentré du travail, ça a été très très dur de lui expliquer parce que d'abord, c'est pas évident de dire à son mari, écoute, tu m'as frappé hier soir. Vous gardez les souvenirs de la nuit ou pas du tout? Non, pas du tout. Aucun? Quand elle vous a raconté ça, vous avez réagi comment alors? Je suis vraiment tombé des nues. Oui. La première réaction que j'ai eue, c'est je me suis dit je suis fou.
C'est absolument pas possible que j'ai pu frapper mon épouse. Et vous l'avez cru? Vous avez mis sa parole en doute? Enfin, Au début, oui, j'ai mis sa parole en doute. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça, je ne lui ai avoué d'ailleurs que très récemment. C'est quelque chose que je ne pouvais pas concevoir, vraiment pas concevoir. Donc, effectivement, j'ai eu un petit peu au début la même réaction qu'elle a eue quand elle est revenue à elle, c'est que je me suis dit, oh, elle a dû glisser, elle a dû se ficher la tête par terre. Parce que ça, le coquard et le traumatisme, il existait bien, c'est vrai, ça c'était pas de l'invention. Ouais. Et puis bon, c'est après, en discutant, on a discuté très longtemps le soir, que je me suis dit, non, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, mais je ne sais pas quoi. Est-ce que vous avez essayé de trouver une explication personnelle à ce qui a pu se passer? Bon, ben, je me suis fait soigner. C'est revenu plusieurs fois. Hein. C'est arrivé 4 fois. Ah bon? C'est arrivé 4 fois dans l'année. 4 fois la cheminée Non. Ma femme s'est trouvée sur le chemin qu'une seule fois. Ah après, oui. C'est planqué. On a eu un problème la troisième fois. C'est que c'est là où, bon, en plus de devenir dangereux pour moi ou pour mes enfants, ça pouvait l'être également pour lui. C'est qu'on habite une maison où il y a une route assez passagère devant, et il s'est retrouvé tout nu. Donc c'était au mois d'octobre-novembre, au milieu de la cour. Ah oui, ça peut faire une émeute, les voisines aux fenêtres, tout ça. Il n'y a pas de voisines. Il n'y a pas de voisines. Non, vous voulez dire, il aurait pu se faire écraser, ce que vous voulez dire. Oui, ben voilà, oui, il aurait pu se faire écraser, quoi. Donc là, ça devenait vraiment très dangereux. Et la quatrième fois? La quatrième fois, ben, c'est pareil, il était parti s'habiller, et il voulait partir en voiture. On connaît des cas de somnambulisme qui prennent la voiture, qui conduisent la voiture? Non, mais il n'a pas pris la voiture. Vous avez eu un bilan, un électroencéphalogramme, un scanner, des choses comme ça? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. J'ai fait un enregistrement du sommeil au CHS La Sartreuse, là. À Dijon. Ouais. Et à Dijon, et avec le docteur Didi. Et qui dit quoi? Qui a dit que... Bah, c'est lui qui a diagnostiqué, effectivement, que c'était du somnambulisme hétéroagressif. Ouais. Ouais. C'est assez courant? Non, c'est rare. Ouais. Dieu merci, c'est extrêmement rare. Et c'est même individualisé depuis assez peu de temps. Ouais. Dernière question, est-ce que les médecins vous ont apporté des réponses, satisfaisantes qui vous permettent aujourd'hui de vivre une vie de couple où quand l'un va se coucher, l'autre n'est pas dans une position défensive, que vous n'ayez pas peur de vous-même et que vous n'ayez pas peur de lui, autrement dit, quoi? Non, ça va mieux maintenant, hein, c'est vrai. C'est vrai que le suivi médical permet effectivement de se sortir d'une situation qui est d'anxiété, qui est insupportable. Ça, c'est évident. Je voudrais justement insister là-dessus, c'est que le suivi médical et le support psychologique, il faut absolument, dans ces cas-là, il faut absolument y aller, il faut consulter. Il faut arriver à rester solidaire. Ça, c'est très important. Je crois qu'on y est arrivé, c'est pour ça qu'on arrive à s'en sortir. Et de consulter. Il ne faut pas en avoir peur. Le courage de se dire que ce n'est pas parce que ça concerne peu de gens qu'il ne faut pas... Voilà, on n'est pas fou, quoi. On n'est pas fou. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Allez-y. Il n'y a pas réellement d'explication sur le somnambulisme. Il y a très peu de livres, il y a très peu de médecins qui s'y intéressent, où on vous dit vous êtes dépressive. Non. Moi, on m'a dit vous êtes dépressive. Non, alors moi, pas. Je veux bien, depuis l'âge de 2 ans. Non, il ne faut pas écouter ces médecins-là. Ou alors je vous dis tumeur cérébrale, ou après... Et donc c'est vrai qu'on a l'impression... Vous avez fait un scanner, une IRM, tout ça. Ah oui, j'ai tout fait, tout fait. Alors bon... Non, je suis certain que vous vous portez très bien. Oui, oui, mais je pense aussi. Mais donc, sur le somnambulisme, finalement, il n'y a pas de définition claire et nette. Si, il y a des définitions claires et nettes, il y a des traitements clairs et nets, mais vous n'êtes pas dans un cadre strict de somnambulisme. Comment l'hypnose vous a fait avancer? Vous continuerez après l'émission, parce qu'il faut qu'on aborde de l'hypnose maintenant. Comment l'hypnose vous a fait avancer? En deux mots, parce qu'on va avoir un reportage là-dessus. En fait, on m'avait envoyé chez des psys, etc., pour essayer. Uh-huh. Bon, si c'est pour ressasser des choses qui vous ont fait souffrir étant petite, je ne vois pas l'intérêt. Uh-huh. Et c'est vrai que j'ai suivi les premières séances d'hypnose en juin de l'année dernière. Et depuis, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Mais mieux pour vous endormir? Ah non, non, je reste couché la nuit. Ah, pour calmer complètement votre sommeil, quoi, pour avoir un sommeil plus paisible, quoi. Je me lève plus, je me prends plus les poutres. Elliot est en sécurité. Sauf depuis la naissance, ça revient un peu. Mais parce que j'ai arrêté le traitement. Parce qu'elle a abandonné un peu son traitement. D'accord, donc vous allez retourner, quoi. Allez, on va vers l'hypnose avec vous, Victor Simon.
Dites-moi en une phrase, vous aurez le temps de vous expliquer plus tard, en quoi l'hypnose peut-elle aider ceux qui ont des problèmes de sommeil? C'est extrêmement simple. Quelqu'un qui a une insomnie est quelqu'un qui loupe le train qui va l'amener à dormir. S'il a une insomnie, c'est qu'il est dans un état émotif ou dans un état de conscience tel qu'il est incapable de déconnecter à un certain moment. Et il va laisser passer ce train d'ondes qui va lui permettre d'entrer dans le sommeil. Et qu'est-ce que fait l'hypnose, justement? C'est que l'hypnose, par l'état particulier qu'elle engendre, va permettre justement d'apaiser et de pacifier ce travail intérieur qui empêche de dormir, et va permettre aux patients de s'endormir de façon paisible. Et c'est tout simple. On n'en dit pas plus, on voit la démonstration en image avec vous. Derrière vous, il y a un jeune homme qui a fait l'expérience, qu'on va percevoir dans ce reportage. Je ne sais pas si depuis vous avez essayé l'auto-hypnose, dites-moi oui ou non. Oui, j'ai essayé un petit peu chez moi. Mais vous me raconterez comment ça s'est passé. D'accord. Juste après ce reportage de Jean-Marc Borde et de Philippe Borel. C'est assez étonnant. Sentir cette sensation. Oui, vous avez le droit aussi d'avoir des émotions, c'est bien. Vous voulez arrêter? C'est important d'avoir des émotions parce que ça vient de l'inconscient. Le docteur Simon cherche à libérer l'inconscient de Chantal qui a perdu le sommeil à la suite de douleurs dans le dos. Après avoir consommé beaucoup de somnifères, elle a décidé de consulter un hypnothérapeute pour en finir avec les médicaments. Ouais, voilà, c'est bien. Retrouver cette eau plus calme et plus paisible, plus tranquille aussi. Je me voyais pas hypnotisable. La main est complètement... livrée elle-même, comme si la main dormait, tout compte fait. Quand on se dissocie dans le corps, ça veut dire qu'on est capable de se dissocier d'une douleur, d'une angoisse, d'un stress, de manifestations, etc. Et elle sait qu'elle est capable de se dissocier du présent pour pouvoir découvrir le mieux-être. Et quand elle découvre le mieux-être, elle va s'endormir, c'est tout. C'est tout simple. Et les insomnies, Jean-Louis connaît aussi. Il a 21 ans et travaille depuis une dizaine de mois en 3-8 dans une imprimerie de la région lilloise. On fait une semaine d'après-midi de 13h à 21h, une semaine du matin de 5h à 13h et une semaine de nuit de 21h à 5h du matin. Le copain qui vient avec moi en voiture, lui, il arrive bien à s'habituer d'après ce qu'il me dit. Jean-Louis espère bien s'y adapter lui aussi, mais il a encore un peu de mal. Et ça t'arrive de t'endormir au boulot ou... Non. Non, au boulot, ça va, j'ai en activité, donc ça pense qu'il n'y a pas de problème. Après, quand je rentre chez moi, quoi, des fois, j'ai un petit coup de barre. Donc là, tu pourrais dormir? Ben non, pas justement, non. Parce que des fois, je suis fatigué, j'essaie de me mettre au lit, pas moyen non plus. S'endormir n'a jamais été facile pour Jean-Louis, mais après avoir travaillé en nocturne pendant toute une semaine, il éprouve encore plus de difficultés à trouver le sommeil. Si j'arrive pas à dormir, ça sert à rien que j'insiste, quoi, parce que je reste dans mon lit, je me retourne, puis ça m'énerve. Là, je me lève, je regarde la télé ou la musique, je fais une réussite. Après, je me recouche au bout d'un moment. Et t'arrives à dormir après? Ça dépend les moments. Enfin, en général, arriver vers 3h du matin, 4h, après, bon, ça commence à venir quand même. Tu dors entre 4h et 9h du matin, quoi. Oui. Comme Chantal, Jean-Louis a rendez-vous aujourd'hui pour la première fois chez le docteur Simon. Il croit modérément à l'hypnose, mais il a décidé de faire l'essai. Bonjour. Vous avez déjà entendu parler de l'hypnose? Selon vous, qu'est-ce que c'est? Selon moi, c'est passer un état second. Vous êtes ici et ailleurs en même temps, et c'est ce que nous appelons, nous, un état de conscience modifié. Ça ne veut pas dire que vous êtes endormi, ne croyez surtout pas ça. Vous êtes simplement en relation avec moi, et dans cette expérience-là que vous allez faire, vous allez découvrir des réponses que vous connaissez mais que vous n'utilisez pas. Alors je vais vous demander comme ça de retrouver un moment, une situation agréable dans laquelle vous vous sentiez bien et nous allons en parler si vous le voulez bien. Mmh. Hein? Je peux parler, cette année j'ai eu mon mariage. Oui. Donc j'étais content de me marier avec ma femme. Oui. Puis tout s'est très bien passé, j'ai eu un beau mariage, tout ça. D'accord. Pourriez-vous porter votre attention sur ce qui peut se passer au niveau de votre main ou de votre bras? C'est-à-dire sentir si votre bras, votre poignet, votre coude peuvent rester dans cette position de légèreté tout à fait spontanément. Voilà, et je vois déjà que au niveau de votre visage apparaissent d'autres mouvements, c'est très bien.
Et vous allez pouvoir commencer à retrouver ce moment-là, ce moment de votre mariage, sentir cette émotion que l'on a lorsque l'on s'engage vis-à-vis de la femme que l'on aime, savoir que désormais, on sera deux pour partager un certain nombre de moments. Ce qui est important, c'est ce qui va émerger de cette rencontre, de ce couple. C'est ce que vous allez créer ensemble, ce que vous allez construire ensemble. Alors vous allez pouvoir tout doucement revenir ici à votre rythme quand vous serez prêt. Voilà, petit mouvement tout à fait lent et bref, qui témoigne de la persistance encore de l'état hypnotique. Voilà, très très bien. Voilà. C'est chaud dans mon main. C'est chaud dans votre main, parfait. Prenez le temps. T'as dit toi un peu. Oui, c'est normal. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous avez pu... C'était vraiment très bien. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pu percevoir? Bah, j'ai revu un peu de tout. Oui. Bah, j'étais bien décontracté. Oui. Au niveau des émotions et des sensations, qu'est-ce que vous avez pu percevoir d'intense? Oui. 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 C'était vraiment bien. D'accord. Bon, je crois que vous êtes encore un petit peu en état d'hypnose, donc je vais vous laisser revenir. D'accord? J'entendais le docteur Simon. Et tout ce qui était autour, ça me gênait pas du tout, quoi. J'entendais rien d'autre. Vous aviez l'impression de dormir ou pas? Non, pas vraiment. J'ai l'impression d'être conscient. Et je sais pas combien de temps ça a duré, mais on aurait dit que je suis resté, je sais pas, 3-4 minutes. Quoi. Ça, c'est très intéressant, ce qu'a dit Jean-Louis. Il a dit que ça a duré 4 minutes, d'accord? Et vous êtes tous témoins que ça a duré plus de 25 minutes. D'accord. Pourquoi? Parce que dans l'état hypnotique, se fait un phénomène qui s'appelle la distorsion du temps. C'est-à-dire que les patients sont capables de vous dire ça a duré 2 heures, comme ils peuvent vous dire, comme a dit Jean-Louis, ça a duré 4 minutes. Simplement, il a appris à trouver un certain nombre de réponses de bien-être. Qu'est-ce que c'est qu'une insomnie? Une insomnie, c'est se présenter dans son lit dans un état émotif tel que la détente, la relaxation, le bien-être n'est pas présent, ne sont pas présents. Et qu'à partir de là, le train du sommeil n'apparaît pas. C'est-à-dire que lui, il loupe l'entrée. C'est tout à fait ça. C'est ça? Oui. Bon, vous voyez. Ce qu'il faut, c'est quand il se met au lit, justement, qu'il puisse, par un phénomène d'auto-hypnose, accéder à un état qui lui permette, lorsque le sommeil va se présenter réellement, de monter à bord. Voilà. Le reportage de Jean-Marc Borde et Philippe Borel. Jean-Louis, est-ce que vous avez mieux dormi depuis cette séance d'hypnose? Oui, j'ai à peu près mieux dormi, donc ça fait 3-4 jours quoi, que j'arrive à aller me coucher vers 10h, 10h30. Et à vous endormir? Vous avez essayé de pratiquer l'auto-hypnose? La première nuit, oui, et depuis, ben, ça va mieux, j'ai pu essayer et ça a été. Mais la première nuit, oui, j'ai refait un peu ce que le docteur Simon m'avait dit, donc l'auto-hypnose. Non, parce que là, on a bien vu ce à quoi ressemblait une séance d'hypnose, oui. Mais l'auto-hypnose, on a vraiment du mal à imaginer. Bah, comment non, vous faites? En fait, c'est le même, quoi. Donc, je me concentre sur ma respiration. Et ensuite, je pense à quelque chose de bien, par exemple, une belle voiture que j'aimerais bien voir, quelque chose comme ça. Et puis après, bah, ça vient tout seul. En fait, Jean-Louis que j'ai vu pour la première fois, première séance d'hypnose, devant vos caméras. Je l'avais vu en consultation préliminaire pour son problème d'insomnie et il n'avait jamais fait d'hypnose. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la découverte, lors de la séance d'hypnose qu'il a faite avec moi, il a découvert un moyen d'entrer en hypnose de façon tout à fait écologique. Il est parti d'une voiture pour entrer en état d'auto-hypnose, mais l'auto-hypnose, c'est tellement facile qu'il l'a vous pu faites de l'intégrer en une fois. Vous faites de l'auto-hypnose aussi? Oui. Comment vous faites vous? Je me focalise sur un endroit que j'aime, un moment que j'aime aussi dans la journée. J'y mets l'environnement que j'apprécie et puis je me concentre là-dessus et c'est vrai que j'arrive à me relaxer et à partir toute seule. Comme d'autres comptent les moutons, quoi, un peu de choses près. Oui, mais compter les moutons, c'est un état d'hyperconcentration. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose, en fait? L'hypnose, c'est se concentrer de telle sorte... Ouais.
que le cerveau conscient est complètement saturé. Mmh. Et en étant complètement saturé, le cerveau inconscient, lui, ne subit plus le barrage du cerveau conscient. D'accord. Vous pensez qu'on fait quelque chose qu'on aime bien, quoi. Exactement. Et le meilleur moyen d'accéder aux sensations agréables, c'est de repartir. Surtout ne comptez pas les moutons. Il n'y a rien de mieux que pour sauf maintenir si une berger, c'est une passion, quoi. Non, parce que le fait, surtout si on est berger, parce qu'on a envie de bien les compter, on se concentre, et puis on se trompe au bout d'un moment dans le compte, et on est obligé de recommencer, et là, on maintient l'insomnie. Moi, par exemple, je pense que je fais du ski ou que je joue au foot, et ça marche pas mal. Vous allez voir, ça marche. C'est un état hypnotique. C'est un état hypnotique. L'hypnose, auto-hypnose, ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Parce que comme vous le dites, en fait, j'ai l'impression de toujours louper ce train. Parce que depuis le temps où je suis obligée d'être hyper, hyper vigilante pour tenir le coup, et parce que vous êtes crevée pendant la journée, quoi. Ah ben complètement, c'est un parcours de marathon, hein. C'est un marathon pour tenir le coup. Ouais. Donc en fait, l'hyper vigilant, je l'ai tout le temps et je ne peux pas l'abandonner pour rentrer dans l'hypnose. Vous voulez dire quelque chose, excusez-moi. Une dernière question, est-ce que dans mon cas, ça, l'hypnose pourrait apporter quelque chose? Moi, je pense qu'elle pourrait vous être utile parce que vous avez décrit des états hypnoïdes absolument évidents. Passionné, question, il ne dort plus là. Vous avez décrit des états hypnoïdes, vous m'avez dit je suis là, je suis dans un état où je suis présent, où je rêve, où j'écoute, on me parle, je réponds. Mais c'est ce que font nos enfants à l'école. Quand ils baillent aux corneilles et qu'ils se font engueuler par les maîtres d'école, ces enfants sont en état d'hypnose. L'hypnose est un phénomène spontané que nous utilisons en permanence pour nous régénérer. Donc on peut apprendre à essayer de contrôler. Des états hypnoïdes tout à fait spontanés et qui vous permettent justement de faire vos peintures, qui vous permettent de faire votre musique, etc. Parce que là, vous êtes en hyper-accès à l'inconscient et vous libérez toutes les ressources de l'inconscient. Là. Je vais demander à Pierre Dutertre de venir nous rejoindre ici. Venez, monsieur Dutertre. Si vous voulez bien l'encourager. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes médecin, Pierre, vous êtes médecin à l'Association pour les victimes de répression en exil, spécialiste des questions de torture, et on va s'apercevoir ensemble que souvent, ceux qui utilisent la torture troublent le sommeil de l'autre pour le mettre dans une situation où soit il l'avouera plus facilement, soit il ne supportera pas la détention qu'on lui fait subir. À quoi ressemblent les rêves quand on est détenu en question préalable? Vous savez, moi personnellement, je vois des patients qui ne sont plus détenus, donc qui, eux, ont aussi un trouble du sommeil, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux ne veulent plus dormir. Parce que le fait de dormir, ils rêvent, ils font des cauchemars, la nuit, ça leur fait peur. Et donc, le soir, quand la nuit tombe, ils appréhendent le sommeil et ils se forcent à ne pas dormir. Et ils dorment le jour. Ce sont des gens qui eux, se forcent justement à dormir quand il fait clair. Comme ça, quand ils se réveillent, il fait clair, ils n'ont pas peur. On retrouve la peur du noir qu'on avait quand on était enfant. Pourquoi les bourreaux souvent torturent la nuit? C'est parce que déjà, en plus, vous avez la peur du noir. Si vous êtes tout seul, il n'y a pas de bruit, il fait nuit. Donc, vous savez où vous êtes, vous savez ce qui vous attend. Ça fait une somme d'angoisse qui s'accumule, qui vous rend vulnérable. Ouais. Et le fait de ne pas vous faire dormir, en plus, vous laissez éveiller pendant une nuit, deux nuits, trois, enfin une nuit, un jour, à queue-le-le, vous arrivez à la torture, si c'est pour vous faire avouer, vous arrivez beaucoup plus vulnérable, si vous voulez. Alors, ils sont déjà perdus parce qu'ils sont en train de vivre quelque chose qui est complètement inimaginable. La torture, quelqu'un qui ne l'a pas vécu ne sait pas ce que c'est, et quelqu'un qui la vit, n'imaginez pas que ça pouvait exister. Donc les gens sont déjà complètement déphasés avec ça. En plus, ils sont déphasés dans leur horloge à eux, comme on disait tout à l'heure, si vous voulez, et n'ont plus de repères. Je comprends. C'est une torture propre ou c'est qui ne laisse pas de traces? Qu'est-ce que vous dites? C'est une torture propre qui ne laisse pas de traces, physique en tout cas. Ça dépend des pays. Vous savez, est-ce qu'il y a des pays où on vous réveille, on vous empêche d'en venir à coup de bâton, où on vous réveille d'une façon pas très. On va donner la parole à monsieur Deo Akizimana qui a été prisonnier politique au Burundi. Où est-ce que vous êtes, Deo? Vous êtes là? Bonsoir monsieur, si vous voulez bien vous lever, peut-être qu'on profite mieux de votre présence. Monsieur, bonsoir. Je peux vous appeler Deo? Deo Akizimana. Akizimana, monsieur Akizimana, vous êtes journaliste, vous avez été prisonnier politique au Burundi, qui est un pays en guerre depuis pas mal d'années maintenant. Comment les geôliers s'y prenaient-ils durant votre sommeil? Bon, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que tout ce qui peut contribuer à vous faire claquer, c'est-à-dire à vous mettre hors circuit, hors d'état, de nuire politiquement, c'est bien utilisé à cette fin. Ce qui m'est arrivé, bien évidemment, c'était beaucoup plus que tout ça, parce que j'avais compris, par exemple, à l'époque, que j'avais été pris, non pas pour être puni,
mais peut-être pour être mis quelque part dans un endroit sûr où je ne peux pas m'échapper et où on peut venir me prendre quand on veut. C'est pourquoi le docteur du théâtre, ce qu'il disait au sujet de la peur de dormir, c'est vrai, on a peur de dormir quand on est en prison et surtout quand on est dans ce qu'on appelle les cellules noires isolées où vous n'avez pas la notion du temps, vous ne voyez pas de lumière, où vous ne communiquez avec personne. J'ai même été étonné ce qui m'est arrivé parce que j'ai fait deux détentions politiques. Une fois, quand je suis entré, on m'a dépouillé de tout, y compris de ma montre. Je n'ai pas compris pourquoi on me prenait ma montre. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que c'était peut-être pour justement m'empêcher d'avoir la notion de temps. Pas de repère. Pas de repère. Mmh. Et quand on dort la nuit, dans ces circonstances-là, à moindre bruit, à moindre claquement de porte, c'est un surveillant de prison qui est envoyé pour vous conduire dans un interrogatoire d'où vous ne reviendrez peut-être jamais. Comment s'y prenait-il pour vous priver de sommeil indirectement? C'est avec cette peur sourde, impalpable, qui planait à chaque claquement de porte, ou est-ce que vraiment on vous réveillait pendant la nuit on vous... Ah oui, tout à fait. Il suffit par exemple qu'on vienne expliquer qu'il y a 10 prisonniers qui viennent d'entrer et qu'il faut changer de lieu. On vient à 2h du matin, 3h du matin, on se préoccupe pas si vous dormez ou pas, on vous réveille comme n'importe quoi et puis vous y allez. Ça, c'est une forme, à mon avis, qui consistait à vous mettre constamment sous pression parce qu'en fait, il s'agissait de vous contrôler, de faire en sorte que vous compreniez que vous n'aviez aucun droit, y compris les droits vitaux. Dans un premier temps, j'acceptais pas ce qui m'arrivait. Je disais, mais pourquoi je suis là? Parce que je savais en plus que je n'aurais jamais quelqu'un qui vient m'accuser. Je savais qu'en plus, je pouvais être soumis à n'importe quoi. Alors, dans une deuxième étape, après quelques jours, je crois que ça m'est arrivé la deuxième semaine. Hein. Alors, j'ai réalisé que j'étais effectivement en prison, que l'une des façons de pouvoir résister, c'était de faire avec. Alors, à ce moment-là, la tension commence à diminuer et on peut même un tout petit peu dormir. Alors, il y a une troisième phase que j'ai personnellement connue. C'est au moment où j'ai dit, je suis en prison, je sais que mon cas est perdu, ça peut me durer l'éternité, maintenant, je suis d'accord. En ce moment-là, je me souviens, j'ai même pris du poids, j'ai dormi très sérieusement. Et là, des sommeils réparateurs, pour tout une à fois. Fait. Depuis oui. que vous êtes sorti de ces deux détentions, est-ce que vous avez retrouvé un sommeil globalement serein ou est-ce que vous avez encore des pics d'angoisse qui remontent? Alors, j'en suis fait une sorte de thérapie. Une thérapie naturelle, je ne sais pas comment je l'ai découvert, mais j'ai écrit un livre et dans lequel j'ai mis tout ce que j'avais vécu. C'est vrai, je l'ai fait dans des conditions tout à fait différentes. Après ma détention, j'ai eu des soutiens, je suis arrivé à Genève où j'ai été bien accueilli, où des gens sont venus me demander de témoigner et j'ai vu que témoigner, c'était excessivement important. Ouais. Amnesty International m'a invité souvent à des conférences. C'est d'ailleurs grâce à elle que je connais, j'ai découvert l'AVRE. L'Association pour les victimes de la répression en exil. Le docteur Jaffé, Hélène, s'est occupé de moi pendant un temps. Et quand j'ai commencé à en parler, il y avait quelque chose comme une exaltation, une libération presque. Pour vous dire, et ça c'est très sincère, à un moment donné, je me disais, finalement ce que j'ai vécu, c'est peut-être bon parce que ça m'a permis, ça me permet aujourd'hui de témoigner, ça permet au monde de savoir. Ça permet de casser le silence. Et à la suite de ça, j'ai un sommeil. D'ailleurs, je dirais, c'est paradoxal, ça va vous étonner. Aujourd'hui, je dors beaucoup mieux que je ne dormais il y a... Avant la présence. Tout à fait. Merci, monsieur Akizimena. Merci beaucoup. Docteur, en quelques mots, je vais poser des questions courtes, parce qu'il va falloir qu'on conclue. Quels sont les moyens classiques? Alors, évidemment, là, on parle de moyens terribles, hein, on parle de torture utilisée par les geôliers pour empêcher de dormir. Vous savez, tout ce qui est torture, il n'y a pas de limite à l'imagination humaine, vous savez. Mais il y a vraiment. Enfin, pour moi. C'est vrai que, par exemple, on met parfois des prisonniers dans une prison remplie de flottes? Tout à fait, non, mais oui, il y a les pays où on fait les moyens du bord, on n'a pas grand-chose. Alors, c'est des coups de pied, c'est des coups de matraque, c'est des coups de fusil. On vous engueule, on vous donne on jette de l'eau sur la figure. Ça, c'est le pays où il n'y a pas grand-chose. Mais il y a des pays qui sont beaucoup plus sophistiqués. Moi, j'ai vu un patient qui venait d'Irak, qu'on mettait dans une espèce de très grande baignoire, qui était plus grande que lui. On montait l'eau, jusqu'au moment où il était sur la pointe des pieds. Et puis, quand il était sur la pointe des pieds et que l'eau arrivait là, ben, on arrêtait. Et on le laissait dormir comme ça? Enfin, on le laissait la nuit comme ça? Des heures, des heures, des heures et des heures. Alors, ce qui fait que pendant un moment, vous trouvez. Il y en a qui se noient là-dedans? Ben oui, je suppose. Enfin, lui, il ne s'est pas noyé, parce que je l'ai vu. Mais... Ouais.
Mais pendant un moment, vous tenez sur la pointe des pieds, puis de temps en temps, ben, vous pliez pour reposer vos orteils, vous êtes sous l'eau, et puis ben, vous remontez, et puis là, vous ne pouvez pas dormir. Hein. Si vous dormez, ben... D'un point de vue médical, qu'est-ce que la privation de sommeil a comme conséquence sur la santé en général ? Ben, vous savez, je vous dis, je crois que ça dérègle. C'est des hallucinations, c'est... Ça peut donner... Non, souvent, tout à fait. La perte ça de l'équilibre, tous les points de repère qui s'effondrent, et puis je veux dire, si on est en situation de... C'est la volonté, elle déclenche beaucoup d'hallucinations aussi, ouais. Surtout tactiles. On a l'impression d'avoir des poux dans les cheveux qui tombent sur soi. C'est vrai que lorsque c'est involontaire, c'est quelque chose d'épouvantable, ouais. Cette privation de sommeil. Et est-ce qu'on peut en mourir de la privation de sommeil ? Directement, probablement pas, on peut quand même imaginer qu'il y a des infarctus chez les sujets un peu fragiles, il peut y avoir des grosses complications, et puis il y a des désordres mentaux extrêmement importants, des gens qui pourront se jeter par la fenêtre, qui pourront aussi être très convaincus de ce que vous disiez, d'avoir, il n'y a pas de fumée sans feu, donc si on me fait ça, c'est que je suis coupable, il y a une identification à l'agresseur. Je comprends, je demandais à Laurence de la Ferrière de venir nous rejoindre pour la conclusion, venez Laurence. Ah, si, je vous en prie. Alors, est-ce que, au début de l'émission, vous me disiez, je voudrais voir si je suis normal. Est-ce que vous vous sentez normal? Est-ce que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas ce soir? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qui vous a le plus étonné, le plus frappé, le plus amusé, le plus déçu, le plus... Non, ce que je pense, moi, je pense que les vrais cas pathologiques comme Christian. Monsieur ou Christian, bon, je pense que c'est difficile à vivre. Pour tout le reste, et je me dis... Il faudrait vraiment trouver une vraie solution et peut-être que son ami va peut-être en être une. Je ne sais pas, non, je ne pense pas, mais parce que c'est quelque chose de médical. Mais je pense que pour tout le reste, ça fait vraiment partie de la vie de beaucoup de personnes, même si c'est peut-être un petit peu exacerbé. J'ai l'impression que c'est bon. Ça ne m'a pas du tout choquée ni même étonnée. Non. Le somnambulisme ? J'ai l'impression qu'il doit y avoir le moyen de peut-être que cette personne se connaisse mieux et peut-être agisse mieux avec son environnement et peut-être faire un travail sur elle, je ne sais pas. Je ne me sens pas choquée par ce qu'elle vit. Vous pensez qu'on a tout ça en puissance quelque part en soi et que ça peut se déclencher, se réveiller ou pas ? Oui, enfin, c'est pas certain quand même. Non, c'est pas certain. C'est son intuition. Mais... Son intuition. Oui, on n'est pas tous construits de la même manière, on ne vit pas tous les mêmes choses, mais en effet, en faisant un travail sur soi, on peut faire beaucoup évoluer les choses. Moi, je crois qu'on a tous, que l'individu a des forces extraordinaires et des ressources inimaginables, et souvent, on n'y croit pas, et c'est dommage. Et je crois que, par exemple, ma propre expérience peut prendre conscience qu'on peut arriver à faire des choses qui semblent inimaginables au départ. C'est un petit peu ce que j'aurais envie de dire à quelques personnes. Ouais. Ok, Christian ? Ok tout le monde, merci. Je vous dis deux mots sur l'émission de la semaine prochaine, mercredi prochain. J'ai préparé quelques petits mots, parce que parfois en fin d'émission on est un petit peu fatigué, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc la semaine prochaine nous poserons la question suivante, la célébrité est-elle un cadeau empoisonné? Nous y répondrons avec pas mal de personnes célèbres, nous serons Estelle Hallyday sur ce plateau, Bruno Mazur, Elise Moon, Richard Anthony dans une autre génération, Eric et Ramzy, le fameux Jamel, les To Be Free seront également avec nous, mais aussi des psys, des photographes, des fans passionnés, le fameux Antarctique, que vous connaissez sans doute, Noël Godin, qui fait tout pour qu'on le connaisse. Alors nous parlerons d'images, de relations publiques, de la critique, de la parodie, de l'humour, de la grosse tête, du désamour et dans certains cas, du dédoublement de la personnalité. Ça peut arriver qu'on devienne un peu schizo quand on devient célèbre. Ce sera donc mercredi prochain, le prochain numéro de Ça se discute, à suivre le dernier journal, suivi du Cercle de minuit avec Philippe Lefebvre. Merci d'avoir été fidèle à Ça se discute et à France 2. Bonsoir, même bonne nuit si vous le permettez, et faites de beaux rêves. Bonsoir.